Instagram de Xavier. Et nous sommes live normalement. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Arte. Petit point live. Est-ce que normalement vous nous voyez, vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que dans le chat ça va? Est-ce que vous m'entendez EO comme diraient des fameux artistes? Et dans quelques instants, est-ce que vous entendez aussi les invités de cette émission ce soir? Je crois que ça marche normalement. Tout est bon. Merci beaucoup en tout cas à toute la team derrière les caméras et la régie. Vous le voyez, on est sur un stream à distance. On va respecter l'esthétique du documentaire dont on va parler ce soir. Je vous rappelle qu'on va parler du plus célèbre des inconnus qui passionne un petit peu tout le monde depuis, allez, 2008-2009 et de plus en plus chaque année. C'est évidemment Satoshi Nakamoto. Qui est-il? Qui est-elle? Qui sont-ils? On ne sait pas. Mais évidemment, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, Arte TV s'est penché sur la question avec un documentaire, le fameux Mystère Satoshi aux origines du Bitcoin, qui a explosé toutes les audiences, hein, que ce soit sur la plateforme d'Arte ou sur YouTube. Et ce soir, on va en rediscuter ensemble, on va se remater le documentaire, 6 épisodes, une petite heure, et surtout, on va être en très très bonne compagnie, puisque nous sommes avec Rémi Forte, le réalisateur du Mystère Satoshi, et Claire Balva, qui est la spécialiste, une des spécialistes les plus connues de tout ce qui est crypto et blockchain en France, et qui est aussi intervenante dans ce documentaire. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, ça va, merci. Mais ouais, est-ce qu'on s'entend, c'est bon vu qu'on a fait 2 heures, on s'entend. Deux heures de test, on est bon. Ah, c'est cool, c'est très cool. Je suis super content de parler avec vous de ce documentaire qui va déjà être un carton. Et puis félicitations parce qu'il était vraiment très très bien. On aura vraiment l'occasion d'en reparler. Il s'est passé tant de choses depuis ce documentaire dans tous les secteurs autour de la crypto, la blockchain, qu'on soit des geeks, des spéculateurs, des régulateurs, des curieux, des haters, des passionnés. C'est un peu comme les chats. Hein. Un jour ici, c'est 7 ans pour un chat. C'est n'importe quoi. Donc, on aura plein de questions, évidemment, à se poser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble le documentaire. On va se refaire les épisodes ensemble. Et puis, on pourra s'arrêter dès qu'on aura envie pour s'arrêter sur un point. Parce que peut-être que, aussi, Rémi, il y a des trucs que tu voulais expliquer. La magie du montage, des contraintes font que des fois, il faut faire des choix. Claire aussi, tu interviens, mais il y a tellement de choses à raconter que, bah, pareil, des fois, il faut faire des petits morceaux choisis. Je sens que dans le chat, les gens auront beaucoup de questions pour vous. Donc, on vous rappelle, je vais essayer de faire le lien avec vous pour prendre les questions pour Rémi, pour Claire notamment. Et à la fin, on aura aussi des questions-réponses que l'équipe d'Arte a récupérées sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et je vous rappelle aussi que Arte étant Arte, on aura aussi la diffusion ce soir aussi, en parallèle sur Arte DE, pour les gens qui ont fait allemand LV1 ou allemand LV2, ou les Allemands, tout simplement. Ce sera avec Philippe Salter, qui lui aussi intervient dans le document. Et ce sera animé par Mirko Reksiek, de son côté. Donc ici, c'est la VF. Bienvenue dans la VF. Vous êtes chaud ou pas? Ouais, super chaud. Carrément. Mais d'ailleurs, ça a dû commencer côté allemand, je pense. Tu veux dire que les Allemands sont plus ponctuels que nous? On est dans stéréotype, c'est ça? Ce serait étonnant. Petit point aussi, Rémi, c'est ta première fois sur Twitch ou pas? Non, toi non? Bah si, ouais, ouais. Ah si? Ah oh, ouais. C'est mignon. Donc, c'est la première fois sur Twitch pour Rémi et pour Claire. Donc évidemment... Soyez indulgents, allez... s'il vous plaît. Mais oui, tu vas voir que Twitch, c'est évidemment, c'est une commu extrêmement, extrêmement nickel. Bon, sauf que je vous ai perdu, vous allez revenir dans quelques instants. C'est bon? Cool. Très bien. On va y aller. On va lancer. Donc, je vous rappelle, si vous avez jamais vu le documentaire, c'est le moment de le regarder avec nous. Si vous l'avez déjà vu, c'est le moment de le redécouvrir et vous allez vous rendre compte, ça passe quand même super vite. Et évidemment, s'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir, eh bien, on va s'y atteler. On y va ou pas? N'hésitez pas aussi dans le chat à me dire si le son et l'image sont bons pour vous. Et évidemment aussi, dernier point dans le chat, parce qu'on sait que la commu qui me suit, puis la commu qui suit Arte, vous êtes les gens les plus cools de Twitch, on va avoir des échanges passionnés, mais évidemment dans une bienveillance et une intelligence totale. Hein. Okay. Voilà. Et oui, pour les gens qui se posent la question, on parlera peut-être de NFT à la fin, puisque c'est le point qui brûle les lèvres de tout le monde en ce moment. Impossible mais de faire un repas familial. Je ne sais pas. Ah, et bien d'ailleurs... On en profite. Merci. On a un petit raid de la part de Daz JDM qui nous a raid avec 350 personnes depuis sa petite émission tech. Bienvenue à tous les gens qui regardent. Du coup, Discate, j'espère que vous avez kiffé et j'espère que vous vous êtes relevé du symposium de Pentaru qui vous a fait un symposium sur la NFT. Donc, pour les gens qui viennent de se taper 2 heures de Pentaru qui a parlé de NFT, on vient de vous reverser sur une autre émission. On est chez Arte ici ce soir et on va parler encore de blockchain et de crypto. Donc, je pense que vous allez être
voilà, vous êtes sur une grosse soirée entre Disquette et Arte. Et donc, si vous allez arriver dès maintenant, on vous rappelle, on va regarder ensemble les 6 épisodes du Mystère Satoshi aux origines du Bitcoin, qui a été donc réalisé par Rémi, que vous voyez à gauche sur votre écran, et dont Claire est une des intervenantes et qui va vous expliquer plein de choses. Donc, on est très, très... Salut les boys de Disquette, on se lance tout de suite et on va profiter de l'intro qui est vraiment très classe, mais après, il y a déjà un point juste, ne serait-ce que sur les notes, les intentions de réalisation. Allez, c'est parti. Que je ne l'aurais pas codé. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies. Avec la mise en ré... Déjà, je fais juste une première pause, juste pour parler des intentions de réalisation, parce que ne serait-ce que sur les premières secondes, pour les gens qui n'ont jamais vu ce documentaire, c'est très loin de ce que fait Arte d'habitude, quand même, et on va le voir après avec de l'animation, de la 3D, plein de choses. Et là, il y a aussi un parti pris sur l'esthétique du documentaire qui est très Blade Runner, qui est très même rétro, là, cette sorte de petit tunnel de lumière, on dirait un truc, une série télé de science-fiction du dimanche après-midi dans les années 80. Juste, quelle a été un peu, Rémi, ta première approche pour t'attaquer à ce sujet, en fait, et pourquoi cette esthétique aussi ? Alors, en fait, on s'était dit que pour raconter l'histoire du Bitcoin, il nous fallait de l'animation. Donc ça, c'est quelque chose que Yigal Cohen, mon producteur, a tout de suite... vu, m'a tout de suite proposé. Et moi qui m'a complètement emballé parce que, effectivement, dans l'histoire du Bitcoin, il y a plein de moments dont on n'a pas de traces, si ce n'est quelques posts, quelques mails, mais on n'a pas, disons, d'archives, on n'a pas où les intervenants ont disparu. Oui. Et donc, il y a un côté très mythe et légende, en fait, autour du Bitcoin, qu'on a voulu retranscrire avec l'animation. Et c'est vrai que l'animation, il nous fallait quelque chose de tout de suite qui soit identifiable, qui fonctionne, etc. On a eu le très grand bonheur de rencontrer Victorien Aubino, qui est un illustrateur nantais. Donc c'est lui qui a fait toutes les animations de la série, l'habillage, etc. Et qui était dans un univers qui nous convenait, quoi, qui nous parlait et qui était vraiment dans cette idée-là d'avoir des références cyberpunk, d'aller piocher dans la science-fiction, donc effectivement Blade Runner, Akira, etc. Enfin, on avait les mêmes références et puis et ça matchait. Et on aimait bien aussi un petit peu ce côté manga, voilà, parce que Satoshi Nakamoto, quand il a créé son personnage, il s'est appelé Satoshi. Donc voilà, on voulait partir de là et puis on a construit à partir de ces briques là. Après, moi, ce que je voulais juste dire sur ce tout début, c'est que j'ai le souvenir au montage, en fait, avec mon monteur Antoine Carninon, que je salue s'il nous regarde, qui a fait un super boulot. En fait, on venait de faire 10 jours de dérush, c'est-à-dire qu'on avait regardé toutes les interviews qu'on avait tournées pour la série, en notant voilà, les passages qu'on allait garder dans tel épisode, etc. Et puis, à un moment, au bout de 10 jours, on s'est dit, bon, il faut commencer, quoi. Il faut commencer le montage. Enfin, il faut commencer à mettre des choses sur la timeline. Et puis, on a donc été prendre ces plans d'animation que Victorien nous avait fournis. On a mis la super musique de Grégoire Terrier. On a commencé à faire quelque chose comme ça. Et vraiment, ça fait, pour moi, ces 20 premières secondes, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Ça fait 10 ans que je travaille dans l'audiovisuel et ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de chargé de production, réalisateur, parce que j'étais chargé de production avant. Mais en tout cas, voilà, ça restera un moment... très très fort, parce qu'enfin ça marchait. Enfin, j'avais le sentiment en tout cas que ça marchait. On va voir dans le chat ce que les gens en pensaient, mais effectivement, finalement, les seuls intervenants réels, c'est Claire et les intervenants par exemple, mais effectivement, tout le reste c'est de l'animation et ça raconte, c'est assez intéressant. D'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas, bien Claire, qui ne regardent pas assez les pros, la crypto, tout ça, Claire, elle est responsable chez KPMG,
tout ce qui est de tous les sujets autour de la crypto et de la blockchain, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai monté une boîte en 2015 sur la blockchain et les cryptos et on a rejoint KPMG l'année dernière. D'accord. Bon, on repart? C'est parti. Chaque mot, chaque geste, chaque transaction. Internet perdait peu à peu son statut de fenêtre sur le monde pour devenir un outil de contrôle. Une nouvelle économie naissait. Nous en serions la matière première. Le nouveau monde bousculait tout. Nos échanges, nos droits, notre vie privée. Préserver sa vie privée à l'ère de l'exposition de soi, c'est un acte révolutionnaire. Peu importe que vous ayez quelque chose à cacher. Une affaire privée, c'est ce qu'on ne veut pas que le monde entier sache. Un secret, c'est ce qu'on ne veut pas que quiconque sache. La vie privée, c'est la liberté de choisir ce qu'on dévoile au monde. La liberté. Tout petit point rapide. Donc là, aussi, on se rend compte de la deuxième intention. Après, on sera moins sur les intentions de réalisation et plus sur le sujet. Mais c'est important d'en parler parce que ça d'ailleurs, les gens en parlent déjà dans le chat. Il y a aussi un parti pris, c'est qu'on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto. Vous avez le parti pris de l'incarner littéralement, donc avec une voix off, avec le choix de cette voix off, notamment en français. Et vous avez aussi le parti pris de... Est-ce que c'est un parti pris de... Ou de défendre son discours, donc sa position qui est très libertarienne et très cypherpunk, ou c'est de reprendre exactement ce qu'il a pu lui écrire et d'essayer de le traiter de la manière la plus, on va dire, neutre et sans filtre par rapport aux propos de Satoshi Nakamoto. En fait, dès le départ, ma volonté pour le mystère Satoshi, c'était d'aller un petit peu plus loin que tout ce qu'on entendait généralement sur le Bitcoin. Donc aller plus loin que la spéculation, que le côté énergivore, que toutes ces choses-là. Et donc avec Arte, avec Igal, on a voulu être au cœur du réacteur. On a voulu vraiment aller au fond des choses et se demander d'où ça venait, quoi. D'où vient le Bitcoin, pourquoi est-ce que quelqu'un, à un moment donné, s'est dit on a besoin de ce programme, de ce protocole, de cette nouvelle monnaie numérique. Et puis, en fait, Satoshi Nakamoto, son personnage, le mythe autour de Satoshi, en fait, cristallise pas mal d'enjeux liés au Bitcoin, des enjeux de vie privée, des enjeux de données personnelles, des enjeux de souveraineté, de liberté, etc. Donc, ça nous semblait vraiment intéressant de nous mettre dans les chaussures de Satoshi Nakamoto. Et puis aussi, il faut dire que lui-même, il est un rouage, en fait, du Bitcoin. Il joue un rôle en disparaissant. Il a un vrai... c'est un peu contradictoire, mais il a un vrai poids sur sa propre crypto-monnaie. C'est vrai que cet angle vie privée, je trouve qu'il est intéressant parce que moi, ce que je vois dans Bitcoin, c'est que chacun y arrive par un angle un peu différent. C'est-à-dire que tu as des gens qui arrivent dans Bitcoin, par exemple, parce que c'est techniquement, c'est passionnant. Tu as des gens qui arrivent dans Bitcoin pour des questions financières, parce qu'ils veulent diversifier leur épargne, parce qu'ils trouvent que c'est une révolution dans le monde financier. Et puis, il y a des gens qui arrivent dans Bitcoin, justement, pour ces enjeux de vie privée. Et je pense que c'est notamment le cas des gens qui étaient là très tôt dans Bitcoin. Et c'est vrai que c'est un aspect qui est très rarement traité. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, cet angle au début du reportage. Parce que justement, toi, à chaque fois que tu interviens dans des médias ou auprès de tes clients ou pour des personnes pour expliquer, tu fais un gros boulot justement de vulgariser tout ce qui se passe autour de la décentralisation, la blockchain, les crypto-monnaies, la cryptographie. Tu parles souvent d'un point de vue plutôt financier, business, technologique. Mais est-ce que justement ce côté un peu idéologique et politique qui est très présent dans le documentaire, c'est quelque chose que tu dois un peu évacuer ou pour toi, ça fait complètement partie du truc de dire le Bitcoin, c'est pas qu'une technologie, c'était aussi c'est une vision politique du monde sur, comme tu dis, la vie privée, la régulation, la dérégulation, etc. Ou t'en parles pas trop, toi? Je peux en parler, en fait. Ça peut tout à fait s'assumer devant un client, mais j'ai envie de dire, ça dépend aussi du type de client et de ce que cherche le client. Ça dépend si tu es là pour faire une conférence, pour tu vois, ouvrir les chakras un peu dans une grande entreprise et pour... voilà, leur faire prendre du recul sur une techno, ou si tu es plutôt là pour parler d'un cas d'usage business. Et dans ce cas-là, tu veux plutôt rassurer et éviter de leur parler d'une idéologie anarcho-capitaliste qui peut leur faire un peu peur. Donc parle, mais voilà, ça dépend des fois. Allez, on reprend. Strong encryption.
Cryptography is the art of scrambling information to make it unintelligible, except to those that have the right key to unscramble it. So governments form their opinion about cryptography as a consequence of how pivotal it was to the outcome of World War II. The government regarded it as a munition and restricted its export. The cypherpunks, a group of... Ah. Alors, j'ai eu un petit stop. Très bien. écoutez, je peux regarder un truc de crypto, je peux regarder Arte ou je peux regarder Blast. dites-moi à la réelle, comment je fais pour recharger la vidéo qui vient de se stopper littéralement chez moi. C'est magnifique quand même. La réelle va me répondre dans quelques instants. C'est la magie du live. Ça pouvait pas marcher trop bien. Si tu refais play, ça... J'ai même pas la touche play nulle part, là. Ah oui. Qui n'apparaît pas, parce que pour les gens qui ne savent pas, on est sur une fenêtre d'OBS un peu spéciale. Si tu veux, en tout cas, je peux parler du premier intervenant qu'on voit. Moi, c'est... Alors, justement, j'allais te poser la question sur... Et après, à Claire, d'un côté, comment toi, tu es allé chercher les intervenants et les as convaincus de venir en parler. Et de l'autre côté, est-ce que Claire, tu as accepté? Parce que j'imagine aussi que tu dois avoir des trucs un peu sensationnalistes ou un peu nazes qui viennent toujours vous demander tout et n'importe quoi comme intervention, et à quel moment tu te fais un petit peu convaincre, en tout cas, de sauter dans ce projet. Vas-y, je t'en prie. Non, alors moi, j'ai dit oui quand même assez vite, parce que effectivement, parfois, il y a des trucs un peu bizarres qui viennent pour enregistrer une émission ou un podcast, mais on n'a pas non plus Arte qui vient tous les jours, donc a priori, j'ai pas mis trop de temps à accepter non plus. Et au contraire, moi, j'ai trouvé ça super intéressant que... qui est un reportage Arte sur Bitcoin. Donc, c'était très positif. Et puis, le tournage dans les locaux était assez sympa. Donc, j'en garde un très bon souvenir. Mais c'est vrai que le fait d'avoir Arte, une grande marque de télé européenne, ça a quand même aidé pour convaincre les intervenants. J'ai pas essuyé beaucoup de refus. Les gens qui ne voulaient pas parler, c'est parce que ce sont des cypherpunks purs et durs et ils veulent rester dans l'ombre et ils n'ont pas envie de trop s'afficher. Ça fait partie de leur caractère et de leur conviction. Et en fait, j'étais super content d'avoir Philippe Zimmermann, qu'on voit là au début du documentaire, qui est en fait un cryptographe qui, à la fin des années 80, a inventé un logiciel, un programme pour chiffrer les messages qui s'appelle PGP, Pretty Good Privacy. Donc c'est de la privacy plutôt bien, plutôt bonne à ses yeux. C'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça. Et en fait, son histoire est ultra intéressante. J'invite vraiment tous les gens qui nous suivent et qui s'intéressent un petit peu à la cryptographie à se renseigner sur son parcours, parce qu'il a eu des problèmes avec les autorités américaines, parce qu'à un moment donné, son logiciel, il l'a exporté. Et une fois que ce logiciel était dans la nature, on ne pouvait plus vraiment l'arrêter, quoi. C'était le principe du logiciel, quoi. On parlera clé privée, clé publique un peu plus tard, je pense, mais en gros, son programme fonctionnait comme ça, voilà, grâce à la cryptographie asymétrique. Et voilà, et c'est un grand cryptographe et j'étais super content de l'avoir. Donc on a tourné, je vois que le documentaire se relance. Ouais, mais c'est intéressant. Cette idée, comme tu dis, de lâcher un peu une bombe inarrêtable, c'est aussi un thème qu'on va beaucoup revoir dans. Qu'on va beaucoup revoir dans. Autour de ça. Alors, on est reparti. So governments form their opinion about cryptography as a consequence of how pivotal it was to the outcome of World War II. The government regarded it as a munition and restricted its export. The cypherpunks, a group of activists in the San Francisco Bay Area, were quite interested in promoting strong encryption. Pour nous, les cypherpunks, la liberté n'est pas négociable. Nous la plaçons au-dessus de tout. C'est pour elle qu'on se bat. En 1993, dans son manifeste, Eric Hughes avait déjà tout dit. À l'ère électronique et dans une société ouverte, la vie privée est indispensable. Nous ne pouvons attendre des gouvernements, entreprises ou toute autre entité géante et sans visage
qu'il nous accorde gracieusement les moyens de préserver notre vie privée. Les cypherpunks écrivent du code. Nous savons que quelqu'un doit élaborer les logiciels pour protéger la vie privée, et nous allons nous en charger. They believe that true human expression is really only possible when you can protect your anonymity. And out of this movement came many attempts to recreate various fundamental institutions of society using the complex mathematics of cryptographic systems. So things like voting systems, digital communication systems that enabled very strong privacy. The cypherpunks were a group of individuals who felt that cryptography could enable new human freedom, that freedom to communicate and the freedom to send money. And there were many different versions or ideas behind, like, digital cash. I've got to send something for my mom's birthday. I'll then book plane tickets for our trip next week, and my kids got to go to the library to look up dinosaurs. Hey, we can take care of all that before we go. Yeah, right. Oh, with America Online. America Online can do all that. If you can control people's money, you can control every aspect of their life. If you can surveil people's money, then you know everything you need to know about them. How about sending your mom some nice flowers? Mm-hmm. All you do is click on Marketplace. We place an order. And it's so easy. All you do is point, click. America Online, a new way to use your computer to communicate, have fun, and get instant news and information. Un immense supermarché virtuel. Voilà le web qu'on nous promettait. Pour nous, échanger représentait tout autre chose. Ça faisait plusieurs années qu'il y avait une forme de défiance aussi vis-à-vis du système financier traditionnel. Ça faisait des décennies que certains acteurs travaillaient aussi sur des monnaies pair à pair, puisque avec Internet, bon, c'est super, on démocratise l'information, mais on n'avait pas vraiment cette monnaie qui allait avec Internet, qui serait une monnaie mondiale, universelle, qui ne dépende pas d'une banque centrale. Donc c'est vrai qu'il y avait, un manque. Celui qui contrôle les échanges contrôle la liberté. Puisqu'Internet devenait une immense interface d'achat, il lui fallait son cash, et vite. Est-ce que là-dessus, c'est marrant de parler des cypherpunks, et notamment des manifestes de cypherpunk qui ont quasiment 30 ans, et de se dire, attends, on parle de décentralisation, on parle de régulation, on parle de liberté totale, on parle d'anonymat, on parle de mince, ça va trop loin, il faut quand même contrôler un minimum. Ouais. On parle de cash, on parle de surveillance. Ouais. Et en fait, qu'on soit pro ou contre les cypherpunks, ils avaient quand même tapé dans des sujets d'une actualité effrayante quand on est 29 ans plus tard, en 2022. C'est quand même ouais. assez dingue. Oui, il y a un côté ultra visionnaire. Dans le manifeste, il y a aussi le manifeste du crypto anarchiste. C'est comme la déclaration du cyberespace aussi. Enfin, c'est des choses. Ouais, c'était très visionnaire. Ils avaient vu vraiment avant tout le monde, quoi. Ouais, non, mais je pense que c'est des sujets qui sont très vite arrivés avec Internet. Et effectivement, on n'a pas attendu l'arrivée de Bitcoin pour se préoccuper des sujets de vie privée. Et très clairement, les cypherpunks étaient visionnaires là-dessus. Et je trouve que c'est des sujets qui, en plus, ressurgissent beaucoup avec la centralisation d'Internet qu'on a connue ces 10-20 dernières années, qui était peut-être moins vrai au début, il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, Internet est devenu complètement centralisé. Donc forcément, c'est des sujets qui ressurgissent. Oui, c'est quand même assez intéressant de voir... ça sera un thème général, un peu le... dans ces grands progrès, ces fulgurances numériques, c'est qu'il y a toujours un côté, j'ai l'impression, frics ou anti-mouvement qui est à l'origine de mouvements. Donc il y avait un peu l'informatique des années 70, il y avait le net des années 90 avec les cypherpunk, etc. Et en fait, à la fin, il y a toujours une sorte de lutte et de danse extrêmement complexe entre des manifestes, des utopies, des politiques. De l'autre côté, l'exploitation qu'on en fait au jour le jour, avec les belles et les mauvaises choses. Mais j'ai l'impression que tu as toujours des gens qui voient quelque chose, peut-être de manière très unilatérale. Et après, les thèmes sont les bons, mais leur application ne se passe pas exactement... Enfin, autour de l'informatique, j'ai l'impression que ça revient très souvent quand même, cette danse. Ouais. Bah, en fait, cette histoire d'utopie dévoyée, on l'a vécu plusieurs fois. Et on en parlera tout à l'heure, mais même le Bitcoin est un exemple aussi de cette chose-là. En tout cas, c'est effectivement... un thème qui résonne beaucoup dans l'actualité, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça cristallise un des enjeux. Donc le Bitcoin parle aussi de notre rapport à Internet et au monde numérique. Oui,
Et puis Claire qui intervient pour la première fois dans l'épisode à ce moment-là. En plus, effectivement, en plus quand tu parles d'argent, qui est un sujet mais tellement critique et sensible et central de nos vies, je pense que là, il y a un peu la totale. Quoi. Allez, on reprend. Sans intermédiaire. Mais un obstacle nous barrait la route. Un obstacle qui m'obsédait. La double dépense. The double spending problem is this idea that digital information is easy to copy. And if you have a form of digital money, how can you keep track of that money and make sure it's only spent once? Now, with physical paper money, when you give it to someone, you no longer have it. But in the digital realm, you can give someone a copy of something digital, a perfect copy that is indistinguishable from the original, and still keep the original. Now there are two copies. What if you then give it to someone else again? Sur Internet, tout est reproductible à l'infini. Résoudre le problème de la double dépense, c'était trouver le moyen d'empêcher la contrefaçon sur les réseaux, de rendre le copier-coller obsolète en son royaume. Sans ça, pas de commerce possible. Promis, on parlera des NFT en fin d'émission parce que je sais que tout le monde voudra en parler. Mais voilà, là en fait, sans en parler, on parle de fongibilité et de non-fongibilité. On reprend. En inventant l'unicité numérique, je serai le Gutenberg d'Internet. C'était technologiquement très complexe à résoudre, donc ça a mis des décennies pour arriver. Bitcoin, c'est le fruit de dizaines d'années de réflexion, d'acteurs passionnés et aussi d'un mouvement idéologique libertarien, cypherpunk derrière. These are the individuals who had built precursors to Bitcoin, but these precursors hadn't been successful. If you think of it, of Bitcoin as a new species of money, these species died on the operating table. They never really made it out of the lab. And so the cypherpunks wanted to create a digital cash, but they had no idea how money worked. They knew how cryptography worked, but they had very poor understanding of economics, monetary policy, and money. Satoshi did. Donc là, on est sur un point important aussi, c'est qu'on dit souvent que le Bitcoin, bah, c'est la crypto, c'est un peu le petit nom un peu réducteur, ou des fois le crypto, c'est la blockchain. Et là, on se rend compte que le Bitcoin, c'est l'alignement de planètes où il y a la crypto, il y a la blockchain, il y a la décentralisation, il y a la technologie qui est disponible, et il y a des gens qui ont le sens, enfin, le ou les personnes derrière Satoshi. Ce qui est expliqué là, ce qui est intéressant, ce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas vu avant ce documentaire, c'est que c'était peut-être des gens qui bossaient dans la finance ou qui au moins avaient un sens de la finance par rapport à des gens qui étaient juste, on va dire, des développeurs ou des cryptographes. Ouais, complètement. Bitcoin, c'est vraiment l'intersection entre de la technologie, un ensemble de technologies, en fait. Hein. On a tendance à dire c'est la technologie blockchain. En fait, c'est un ensemble de technologies cryptographiques. Et puis, c'est effectivement des techniques économiques ou en tout cas une vision économique. Et donc Bitcoin réunit un peu cette philosophie économique et ces technologies. Et effectivement, alors peut-être petit point vocabulaire, jusqu'en 2015, en fait, personne ne parlait de blockchain. Oui. Parce que la blockchain, c'était Bitcoin. Et en fait, le terme blockchain est arrivé assez tard dans cet écosystème-là parce que il y a eu d'autres projets qui sont arrivés, notamment Ethereum et puis d'autres crypto-monnaies. Et donc, c'est vrai que le mot blockchain est devenu un mot un peu générique pour désigner cet ensemble de technologies qui permettent de faire fonctionner des crypto-monnaies. Et derrière, d'ailleurs, ça a été un mot employé par les entreprises pour dire qu'elles pouvaient utiliser cette technologie même pour faire d'autres choses que des crypto-monnaies. Ouais. Mais effectivement, j'entends souvent dire que Bitcoin, c'est une application de la blockchain. En fait, pas vraiment. C'est plutôt la blockchain qui, à un moment, a été utilisée pour faire d'autres choses. Mais au départ, il n'y avait que Bitcoin. Beaucoup de, du coup, c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de se dire qu'il y a beaucoup de raccourcis, quoi. Comme on dit que NFT, c'est un JPEG, et dire que la cryptographie ou la crypto tout court, c'est une monnaie, faut le démêler. Mais effectivement, là, ce que je trouvais assez passionnant, c'est de se dire, ils sont en plus arrivés dans le timing parfait dont on va parler dans quelques instants dans l'épisode, c'est qu'ils ont senti le timing pour sortir aussi le Bitcoin. Mmh. Mais en fait, la solution me semblait. C'était une idée qui était dans l'air du temps. Si Satoshi l'avait pas sorti, s'il n'y avait pas eu le Bitcoin, il y aurait eu autre chose. D'accord. C'était vraiment, le Bitcoin est assis sur les épaules de géants, quoi. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe Zimmermann. Le Bitcoin, c'est l'addition de la cryptographie asymétrique, du peer-to-peer, de Tor, de toutes ces choses-là combinées, qui font qu'à un moment, ça marche, quoi. Et du coup, ça.
résout le problème de la double dépense. Moi, je voulais juste revenir sur ce point-là parce que oui. C'est ma porte d'entrée, en fait, à moi dans le Bitcoin. C'est ça qui m'a... J'ai eu le déclic à ce moment-là quand j'ai compris qu'effectivement, ce qu'avait inventé Satoshi Nakamoto, c'était ça, un moyen d'éviter le copier-coller, en fait. Oui. Et puis, on en parlera après, un concept très important qui est le concept de confiance, qui est comment tu fais pour qu'il y ait une confiance absolue ouais. entre deux personnes qui ne se font pas confiance. Et voilà, on va repartir. Je vois dans le chat que ça discute beaucoup. Alors, quand Claire dit que notamment la blockchain n'existait pas trop en 2015 dans le vocabulaire, on parlait, évidemment, les spécialistes connaissaient évidemment la blockchain, mais oui. effectivement, le terme blockchain dans le grand public était moins utilisé il y a quelques années et depuis un peu plus connu. Allez, let's go. Les proches. À d'autres, je désespérais. The stock market is now down 21%. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. This could be the most serious recession in decades. What started in America last year has now spread to every part of the world. Autour de moi, le monde de la finance s'écroulait. Leurs instruments, leurs règles, la création monétaire, une fiction, un tissu de mensonges, d'algorithmes opaques, de codeurs sous-traitants. L'opposé de ce que moi j'étais en train de créer depuis un an et demi. Un monde mathématique, ordonné, universel, ouvert. Le code de Bitcoin me hantait jour et nuit. Lehman Brothers had just collapsed. There had been massive bailouts. It was a huge, huge, super stressful time period in the world. Et puis un jour c'est arrivé. Ça marchait. La double dépense pulvérisée par la cryptographie. Transparence absolue. Anonymat préservé. Bitcoin était prêt. Satoshi first shared the Bitcoin white paper with the cryptographer mailing list, which was comprised of the cypherpunks. October 31st, 2008 is when he releases the white paper. And Satoshi waited for that exact moment because it sounded like he had completed Bitcoin a little bit before that and was waiting for the peak moment of despair in the financial markets to press the send button. A technical scientific paper that described in just over 8 pages in beautiful detail, very concisely, very clearly, the primary technical ideas of Bitcoin. Je veux bien que dans le chat, quelqu'un envoie le lien si vous voulez lire le white paper, parce qu'il est évidemment disponible pour tout le monde. Et il est bien assez court. Compréhensible pour des gens, pour des néophytes. Ouais. Ouais, il y a 2-3 formules mathématiques, mais il est globalement compréhensible et assez court, donc ça se fait bien. Je connais des gens dans le chat, notamment certains madins, qui vont envoyer le lien vers le white paper, donc n'hésitez pas. 8 pages, ça va vite, et c'est littéralement la culture générale aujourd'hui. Ah, il ne peut pas mettre de lien. The first people that heard about Bitcoin typically scoffed at it. They thought it was a joke, or they didn't think it was going to work. A few months later, he released the code. In the Genesis block, he has a headline from the Times, UK Chancellor on the verge of second bailout for banks. So he's very much, this is a very aggressive stance, anti-banking, anti-central banking, anti-government. In his writings, he goes, the core root of the problem with money is it requires trust to make it all work. We must trust the banks. We must trust the merchant processors. We must trust the central banks. And he goes, with Bitcoin, we remove that needed element of trust. Bitcoin's network wasn't in a state of too much testing for that long of a time. It was in a state of like very active development and in production. Cypherpunks write code. That isn't just enough to talk about it, you have to go implement it. And Satoshi very much fit that, where he goes, okay, I'm gonna go make this happen. I'm gonna go release this to the world. I like the idea of writing software and releasing it, and the software changes the facts on the ground. It's politically easier to bring about these changes if the software is already deployed. It makes it harder to make the software illegal if it's available everywhere. N'hésitez pas d'ailleurs à m'y classer, si vous voulez stopper la vidéo, vous me le dites. Hein. Ça marche. J'avais gagné une bataille contre les banques, contre les États. Le Bitcoin ouvrait la possibilité de nouveaux échanges. Qu'est-ce que les gens allaient en faire ? The FBI calls it the most sophisticated criminal marketplace on the internet. Thousands of drug dealers used it to sell drugs and completely hide their identities. Tout allait changer.
Ah là là, cette petite fin là. Rémi, en plus, il a bien compris l'internet. Il est formidable ce présentateur en plus. Regardez ces épisodes, le cinquième va vous surprendre. C'est un peu ça. Non, mais c'est vrai que c'est un des grands poncifs qu'on entend tout le temps, alors particulièrement sur Bitcoin, mais c'est vrai qu'on l'entend aussi sur les cryptos en général, sur le fait que c'est le darknet, la vente de drogue, la vente d'armes, etc., que tout se fait en Bitcoin, et qu'il y a une espèce de mythe qui dit que finalement, la majorité des transactions faites en Bitcoin seraient faites pour faire des transactions de nature illicite. En fait, c'est complètement faux, ça a été démonté maintes et maintes fois. Oui. Et aujourd'hui, on voit. L'ancien directeur du FBI qui avait publié un rapport pour dire vous vous trompez, les gars. Complètement. Ouais. Alors, il y a effectivement des autorités assez connues qui ont démenti ça. Il y a même des boîtes qui se sont spécialisées dans l'analyse de données sur les blockchains, comme Chainalysis, qui montrent que la proportion de transactions illicites en crypto et plus particulièrement sur Bitcoin est en réalité très faible, plus faible même en proportion que sur des monnaies comme le dollar. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est un écosystème qui a beaucoup mûri. Et qui est même plus propre que les monnaies traditionnelles. Et dont justement la traçabilité pose des vraies questions sur, sur les pauvres criminels dans le monde, hein, qui sont les pauvres. Bien sûr. Bah, d'ailleurs, on voit que tous les hackers se font attraper uns après les autres. Il y en a un qui est sorti aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu des articles assez intéressants sur comment le fisc et le département de la justice américain ont traqué les fameux milliards volés sur Bitfinex en 2016. Ouais. C'est une histoire incroyable. Complètement dingue. Et aujourd'hui, il y a un article qui est sorti sur le hack de DAO. Ouais. Un article qui est vraiment intéressant où la journaliste en fait, a collaboré avec une entreprise et a priori, il serait remonté jusqu'au hacker. Jusqu'au hacker, j'ai pas vu. Et ça, c'est vraiment une histoire aussi complètement dingue. Mais tout à l'heure, tu disais qu'en crypto, en fait, il se passe l'équivalent de 10 ans en une année. Et c'est ça, il se passe des histoires incroyables toutes les semaines. Toutes les semaines, on a notre feuilleton. Et du coup, c'était une histoire qui se prêtait bien à une narration comme ça, feuilletonnante, avec des cliffhangers, avec des petits teasers aussi au début de chaque épisode. Et c'est quelque chose qui nous a bien plu au montage de chercher le petit truc qui allait faire rentrer le spectateur dans l'épisode ou lui donner envie de continuer dans l'épisode d'après. Donc, Silk Road, c'est... Mais tu vois, c'est vrai que je trouve qu'un des trucs qui est très compliqué à comprendre, c'est qu'on se dit Bitcoin, ça a été créé pour justement protéger la vie privée. C'est ce qu'on voyait au début de l'épisode. Et puis finalement, aujourd'hui, il y a aussi tout un discours qui dit, mais en fait, c'est super transparent. Oui. C'est complètement traçable. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est très, que c'est très paradoxal de se dire, attends, c'est vie privée ou c'est complètement transparent, Exactement, traçable. Et en fait, il y a beaucoup de nuances en fait, dans tout ça, parce qu'effectivement, c'est très traçable, mais on ne voit pas les noms et les prénoms directement sur la blockchain. Donc, il faut passer par des intermédiaires pour avoir cette traçabilité au niveau des personnes. Et puis, les gens confondent souvent la traçabilité et la censurabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très traçable, mais ce n'est pas censurable. Donc, tu peux tracer toutes les transactions, mais tu ne pourras jamais empêcher quelqu'un de faire une transaction. Et ça, c'est une grande nuance aussi qui est difficile à comprendre parce que le système financier traditionnel ne fonctionne pas du tout comme ça. Oui, là, ça prend vraiment un contre-pied. Mais c'est vrai que c'est drôle de voir des portefeuilles qui sont connus ou des bitcoins sont connus pour avoir été plus ou moins volés et tu les vois dormir sur un portefeuille. Ouais. Ils ne peuvent juste pas sortir ils du sont noyau. Ils sont là, mais ils sont surveillés et n'importe quel mouvement sera évidemment inscrit dans la grande blockchain. Allez, on attaque l'épisode 2. Il y avait une question juste avant. On va la faire peut-être pour la fin de Cryptox 63 qui dit pourquoi personne n'arrive à pirater la blockchain BTC. On en parlera peut-être enfin. Ouais, on en parlera après. C'est une question plus générale, mais c'est une question évidemment intéressante, ces fameux 51%. Oui. Fest Cypherpunk. Une mise en garde. À l'aube du monde numérique, nos échanges perdaient la dimension directe et privée qu'ils avaient toujours eue. Il nous fallait une issue. Une porte qui ouvrirait sur un autre monde. Moi, Satoshi, je l'avais codée, cette porte. Bitcoin. Les premiers à en franchir le seuil seraient ceux qui défiaient le système. Et ceux qui avaient le plus besoin d'anonymat. À ses débuts, le programme réclamait beaucoup d'attention. J'avais quelques alliés, mais le terrain était miné. Une poignée d'apôtres ne fait pas une armée. Bitcoin restait une proie facile.
Bitcoin certainly wasn't 100% perfect right off the bat. There were a few bugs, few flaws. From a network perspective, it very easily could have been crushed by, you know, a really motivated attacker. But luckily, that didn't happen. I think most people dismissed Bitcoin, and governments included, dismissed Bitcoin as silly money for a long time, and most governments still do. Comment attribuer de la valeur à une nouvelle monnaie? Dans un premier temps, à son coût de revient. $1 pour 1500 Bitcoin. La confiance suivrait. Late 2010, 2011. Je voulais juste m'arrêter sur ce point-là parce que c'est le point qui fait chialer tout le monde. C'est mal, c'est tellement mal. Bah ouais. Il faut le dire, je sais pas comment on dit en allemand, ça fait mal aux fesses, mais putain, ça fait mal aux fesses. Parce que c'est, là, ce qu'on voit, c'est des. Alors, autant les gens ont repéré le petit 1337 sur le badge de la CIA qui est un petit clin d'œil rigolo, autant ce genre de prix, $1 pour quelques milliers, centaines ou quelques milliers de bitcoins, c'était des vrais prix à l'époque. Ouais, ouais. Mais il faut pas. Enfin, c'est vrai qu'on. Le faux mot est énorme, Claire, le faux mot est énorme. Non, mais c'est, je comprends que ce soit dur, mais il faut pas s'imaginer que. Si on avait acheté à ce prix-là, on les aurait encore aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que si vous aviez acheté 1000 bitcoins pour $1, quand le prix aurait doublé ou triplé ou quadruplé, vous auriez revendu. Vous ne les auriez pas encore tous aujourd'hui. C'est vrai. Il y a cette espèce de fantasme de « si j'avais acheté à ce prix-là, aujourd'hui, je serais l'homme le plus riche de la planète ». En fait, non, vous auriez revendu bien avant. Il y a un tweet qui est hyper, hyper célèbre d'un gars qui met « oh, j'en ai marre, Bitcoin s'est stabilisé autour de 30 centimes ». Je revends mes 5700 bitcoins ou un truc comme ça. Ouais. Et je fais une plus-value de $200. Je ne sais pas ce qui est le pire, honnêtement, de ne pas en avoir acheté en 2011, on va parler juste de spéculation, ou d'en avoir acheté en 2011 et de l'avoir vendu en 2012. Tu vois, je sais pas ce qui est le pire à vivre et le matin quand tu regardes dans le miroir. voilà, c'est quand même très dur. Mais comme tu dis, Claire, il ne fallait pas avoir des mains en diamant, il fallait avoir des mains en adamantium là, pour ne pas lâcher ses bitcoins. C'est ça. Ouais, c'est clair. En fait, très sérieusement, comment dire. Il fallait. C'était une expérience de geek. Je ne sais pas si la plupart, si 80% des gens sur Bitcoin Talk, ces gens-là qui s'échangeaient des bitcoins contre des dollars, ou on va le voir un tout petit peu plus tard, mais contre des pizzas, je ne sais pas s'ils voyaient vraiment le bitcoin à $30,000. Ils étaient juste contents qu'il y a un truc qui marche, quoi, et de faire joujou avec. Quoi, en fait. Sachant qu'en plus, à l'époque, détenir des bitcoins, ce n'était pas comme aujourd'hui, détenir des bitcoins en allant sur une plateforme d'échange toute jolie. Quoi. Il fallait quand même mettre les mains dans le cambouis. Il ne fallait pas perdre son adresse non plus. Ouais. Donc, c'était pas si évident que ça. Quoi. Moi, c'est un truc, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai su ça de loin comme n'importe quel truc de geek. Et comme tout le monde, j'avais jamais pris ça au sérieux, quoi. Je m'étais intéressé littéralement pas. Et à un moment, je m'étais intéressé à me dire, tiens, on va voir ce que c'est que d'avoir un. C'était plus le portefeuille électronique que je trouvais drôle comme idée. Et juste l'idée de mettre en place tout ça, j'avais dit, vas-y, ça fait chier. Ça, c'était galère. Ça reste d'ailleurs un truc qui est très grand public aujourd'hui. Hein, Ouais. C'est encore très, très complexe. Mais même à l'époque, en fait, il faut vraiment se remettre dans le contexte. Les gens, ça faisait déjà 10-15 ans qu'ils voyaient passer des monnaies numériques. Les trucs foirés au bout de 3-4 ans, quoi. Donc, qu'est-ce qui... Voilà, ils pouvaient lire le code, ils pouvaient lire le white paper et se dire ça ressemble à un truc solide. Mais en fait, on ne sait jamais, quoi. Enfin... Oui, ça pouvait être qu'un projet parmi d'autres qui allait vivre sa petite vie. Allez, on enchaîne. C'est pas devenu une monnaie du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est même pas évident qu'on puisse dire aujourd'hui que c'est une monnaie. De mon point de vue, c'est plutôt une monnaie en devenir. Pas parce que l'État, à un moment donné, dit « voilà, ça c'est une monnaie », mais parce que, tout simplement, de plus en plus de gens décident de l'utiliser comme monnaie. Laszlo put out a message on the forums, the Bitcoin Talk forum, and said « hey, I'd like to buy a pizza for 10,000 Bitcoin ». J'espère qu'il l'a bien dégusté. Hein. Mais alors, fun fact, il l'a fait plusieurs fois. Laszlo, il a fait la transaction plusieurs fois jusqu'en août 2010. Et à un moment, il a dit j'ai plus assez de Bitcoin, on va arrêter l'expérience. Je ne m'attendais pas à un tel enthousiasme. Donc en fait, il a acheté plus que deux pizzas. Mais je ne sais pas le chiffre exact. J'ai pas le mental pour supporter ce genre de choses. Hein. Vraiment, des fois, c'est même pas moi qui ai payé la pizza et des fois, j'y repense la nuit. Tu vois, c'est trop dur. Il faut aller traîner sur Bitcoin Talk. Il y a des histoires comme ça, il y en a pléthore. Bitcoin.
Le tout premier achat, 2 pizzas. Pas de drogue, pas d'armes. On pouvait utiliser le bitcoin comme une monnaie banale, quotidienne et autonome, sans nécessité de garantie extérieure. That was the first ever paid bitcoin transaction, supposedly the first ever transaction for value. A very expensive pizza. Sur quoi repose une monnaie? Elle repose sur la confiance de ses utilisateurs. Et la question, c'est sur quoi repose cette confiance? Pour les monnaies actuelles, les monnaies étatiques, on a confiance dans ces monnaies parce que ces monnaies sont émises par l'État, on peut payer nos impôts dans cette monnaie et l'État garantit une forme de monopole de ces monnaies sur le territoire national. Et là, on a cet objet nouveau, complètement inédit, qui nous oblige à nous réinterroger sur ce que c'est que la monnaie. To understand Bitcoin, you have to first question why governments exist, why they have control over money, what is the origins of money, and then you also must understand like why this current system is broken, why fiat money and why government money is broken, why are they allowed to print trillions of dollars during COVID. Bon, on est d'accord qu'on va pas refaire tout le système monétaire et fiduciaire actuel, ça serait un peu compliqué. Mais il y a quand même aussi là-dessus, je reviens sur ce point où il y a quand même un parti pris de ta part, Rémi, de quand même laisser. Il n'y a pas quelqu'un qui vient défendre le système, par exemple, financier international traditionnel dans le documentaire. Tu n'as pas interviewé la BCE. Critique assez. Oui, non, mais clairement, mais à partir du moment où on s'est dit c'est Satoshi qui nous raconte son histoire et ses motivations, on s'est lancé là-dedans. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, j'espère que ça fait réfléchir les spectateurs à des choses. Enfin, moi, je sais qu'avant Bitcoin, j'avais très peu réfléchi à l'argent, à la monnaie. C'est vrai. Je sais pas si vous aviez eu beaucoup de cours d'économie monétaire. Mais ça c'est une histoire de dingue. En fait, je ne sais pas pour toi, Claire, justement, qui est vraiment dedans tous les jours, si encore une fois, effectivement, comme dit Rémi, je pense que pour le grand public, on t'apprend souvent l'argent au sens juste l'argent en elle-même, mais les philosophies de l'argent, par exemple, les politiques de l'argent, la manière de gérer l'argent, la notion de planche à billets, la notion d'inflation, la notion de régulation, pas de régulation, c'est quelque chose, je pense qu'on n'est pas très éduqué à ça en vrai. Et je trouve intéressant qu'effectivement, le Bitcoin ait ouvert les yeux à beaucoup de gens sur pas que le système est meilleur, mais qu'en fait, ce sont des actes moraux et humains. Ouais, en fait, surtout, Bitcoin arrive comme une alternative qui n'existait pas du tout avant. On est quand même un peu acculturé à l'économie. Alors moi, j'ai un parcours où j'ai fait une prépa HEC, une école de commerce, donc j'ai fait un peu d'économie. Oui, justement. Mais c'est vrai que rétrospectivement, tu vois, quand je pense au cours d'économie que j'ai eu, il y avait clairement un biais, tu vois, dans l'enseignement de l'économie tel que moi, je l'ai connu. En tout cas, très clairement, la manière dont on nous enseignait l'économie, on nous disait ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Tu vois. Et je me souviens même de mes cours d'économie en terminale ou en prépa. Bon, ben, Keynes, c'était très bien, quoi. Et il n'y avait pas forcément beaucoup de remise en question ou en tout cas d'incitation à la réflexion. Tu vois, je ne suis pas en train de dire que le keynésianisme, ce n'est pas bien, mais il y avait clairement, je trouve, un parti pris aussi dans nos cours d'éco. Ah, comme quoi, l'argent n'est pas neutre, incroyable. Il a fallu attendre tant de temps pour le savoir. You're born into the system where you're not supposed to question it. And this is requiring you, kind of like in the Matrix, when you wake up from the system, you have to wake up from the matrix and try to understand all of these components of why your reality isn't working. Julian Assange, the founder of WikiLeaks, has been put on Interpol's most wanted list. Tonight in Britain, Julian Assange is awaiting arrest by British police. But the WikiLeaks founder remains defiant, suggesting the US is out to kill him. Tonight, Assange isn't relenting, suggesting that if anything happens to him, all the remaining secret cables will be released to the world at once. Les États ont vite fait d'investir le numérique, de l'envahir de leur violence, du machiavélisme de leurs intérêts. WikiLeaks allait apprendre qu'on ne s'attaque pas frontalement aux secrets des puissants. Ce que j'ai appris, moi, du destin d'Assange, c'est qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir et des précautions drastiques à prendre en toutes circonstances. Different governments around the world pressured PayPal and Visa
and other payment providers to censor their transactions because WikiLeaks was deemed dangerous for leaking information. So WikiLeaks turned to Bitcoin, which is permissionless, as a way to accept donations. And I think that was another really cool testament to Bitcoin's resiliency and use case of permissionless money. No one can take that money away from you and no one can stop it from being sent to you. Il aurait été bon d'attirer l'attention d'une autre manière. WikiLeaks a donné un grand coup dans la ruche et les saints se dirigent vers nous. Le coup de projecteur était énorme et prématuré. You know, Satoshi had created this new money and he was very much worried that they were kicking the hornet's nest, is how he put it, at too early of a stage in the project and that they may not survive a government attack. He also, I think, close to that time, started to question if he should be part of the project. And so Satoshi eventually disappeared. Juste avant que Satoshi disparaisse, dans le chat, il y a eu plusieurs points sur la voix justement de Satoshi. Ouais. Donc, qui est la voix d'un homme mûr et un peu mystérieux, mais c'est aussi un choix. Brinty21 dans le chat qui dit cette voix, elle est incroyable, ça pose tellement, elle est tellement calme, en même temps assez énigmatique, c'est ce que je rajoute. Qui est la personne qui a doublé Nakamoto? C'est Thibaut de Montalembert que. Qui parcourt le cinéma français depuis une bonne vingtaine d'années et que vous avez peut-être vu dans la série 10%. Effectivement, quand on a travaillé cette voix, l'idée c'était d'être effectivement très posé, très calme et un peu en retrait. Et ça correspond à la personnalité de Satoshi, quoi. C'est quelqu'un qui veut en dire le moins possible de lui-même. Même à travers sa voix, quoi, on va dire. Et on a, en fait, pour représenter Satoshi, on est parti du cliché de Satoshi, quoi. D'accord. De se dire, c'est un homme d'une cinquantaine d'années. Le cliché tel qu'on l'imagine. Et puis au fur et à mesure des épisodes, on le déconstruit un petit peu, surtout dans le sixième. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai envisagé un peu toutes les hypothèses pour la voix de Satoshi. Tu vois, une intelligence artificielle ou pourquoi pas une voix qui change à chaque épisode. Ouais, je l'ai posé comme question un peu avant. Ça aurait pu être plusieurs voix, parce qu'encore une fois, c'est potentiellement un collectif aussi. Hein. Ouais, complètement. On ne sait pas. Bon, on repart sur la disparition du coup de Satoshi, qui est sur ce coup-là, c'est un peu le genre anti-Julian Assange, quoi, qui lui prend qui a pris toute la foudre et tous les flashs sur lui par rapport à WikiLeaks, là où Satoshi, lui, vous allez voir, va partir dans l'obscurité. Le Bitcoin devenait la monnaie de ceux qui avaient le plus besoin de rester dans l'ombre. You can get anything on the internet nowadays: cars, homes, and now black tar heroin. This is Silk Road, the anonymous marketplace. On the main page, they proudly and openly sell LSD, marijuana, and ecstasy. Bitcoin is this thing that has no political bias. So it's this truly free, permissionless network for storing and moving value. Un anonymat garantit un business très rentable, un supermarché de la drogue, où les internautes payaient grâce à une monnaie virtuelle. C'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Le registre qui gère ces transactions en Bitcoin, donc la blockchain, c'est un registre qui est transparent, qui est accessible à tous. S'il y a un mandat judiciaire pour savoir ce que vous avez fait parce qu'il y a des soupçons d'activité illicite, l'État pourra aller voir les plateformes que vous avez utilisées, comme il peut aller voir les banques, pour leur demander votre identité et pouvoir retracer votre parcours financier. Là, on revient pas dessus parce que tu en as parlé avant, Claire, mais c'est vraiment la différence. C'est pas vraiment, on parle pas d'anonyme, mais de pseudonyme. Effectivement, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Bon, on en a parlé avant, mais c'était intéressant que tu reviennes dessus. C'est très compliqué de savoir si vraiment, en fait, tu es ultra tracé ou tu es ultra anonyme ou si c'est littéralement les deux en même temps. Bah, tu as la possibilité quand même d'être anonyme si tu mets les mains dans le cambouis et si tu es un peu technique. Mais effectivement, si tu n'as pas envie d'y passer beaucoup de temps, tu vas probablement aller sur une plateforme, tu vas laisser ta carte d'identité, tu vas laisser des informations sur toi. Et donc mécaniquement, l'État pourra aller voir cet acteur financier comme il va voir n'importe quel autre acteur financier. Tout à fait. Au contraire, il y est étroitement lié. Chacune de vos actions numériques a un impact sur le monde réel. Donc là, on voit que ça a l'air d'être un stéréo player à $70. Mais à l'intérieur, du papier bulle
et bien caché, un revolver 38 spécial, l'arme achetée sur le site. You know, it was a huge revelation to me that it could survive something even for an illegal use case, which meant that its protocol must be really, really robust and sound. This is before I completely understood how it all worked. Je n'avais pas créé le Bitcoin pour protéger les criminels, mais pour rendre les transactions autonomes, libres. Et voilà que Silk Road portait le cours vers un sommet, $30 le Bitcoin. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre mes distances. Plus de postes publics, quelques mails privés avec les développeurs de Bitcoin. J'oriente, je conseille, ça s'arrête là. Why did Satoshi disappear? I remember he disappeared after Gavin Anderson came back and said, hey, I just had a meeting with the CIA. They wanted to talk to me about what Bitcoin is. En avril 2011, je reçois un mail de Gavin Anderson, l'un de mes développeurs. Il a accepté une invitation de la CIA pour parler du Bitcoin. Satoshi never wrote an email ever again. That was it. Gavin ne savait rien de moi, rien de rien. J'ai quand même coupé net. Je ne voulais prendre aucun risque. Je savais qu'il ferait tout pour me retrouver, mais il n'y arriverait pas. À ce stade, le programme n'avait plus besoin de moi. Il était assez solide pour se déployer et remplir sa fonction, quels qu'en soient les usages. I was a little bit surprised that it happened so soon. I would have thought that he takes a bit more leadership in the project. I think Satoshi understood, and this is why he stayed pseudonymous. He knew that if there was a human behind the project, that that would always be a weakness. Le fait qu'il n'y ait pas de responsable identifié fait que Bitcoin est un peu moins vulnérable. Il n'y a personne qu'on peut aller poursuivre, attaquer, mettre en prison, condamné parce qu'il a créé Bitcoin et parce qu'il aurait encore un pouvoir sur Bitcoin. En fait, plus personne n'a de pouvoir sur Bitcoin, même le créateur de Bitcoin. People would look at that individual's flaws and project it onto Bitcoin. Also, they may try to convince him politically to insert new types of code or something. So he stepped away. And so he knew that if the pressure, if Bitcoin was going to become a thing, that he needed to take himself out of the equation to protect Bitcoin. Est-ce que c'est pas l'acte le plus cypherpunk, le plus pur, pur de l'essence du cypherpunk d'être déjà à l'époque, dès 2011, c'était un truc gigantesque. Évidemment, c'était pas aujourd'hui, mais c'était déjà gigantesque. Mm-hmm. Pareil, moi, je suis quelqu'un de très simple. Comment, dans ta tête, tu peux te dire je suis à la tête de quelque chose d'énorme pour lequel j'ai une vision très forte, c'est ma vie. Et la conclusion de ça, c'est que je vais le, un peu comme le PGP, je vais le dropper dans la nature, ouais. Je vais laisser vivre sa vie, je vais l'abandonner, je vais me séparer de ça, et moi, je vais littéralement disparaître. C'est absolument, enfin, aujourd'hui encore, je trouve ça encore incroyable comme move. Ça me... Ouais, après, on ne sait pas. Alors, il a pu partir aussi parce qu'il y avait justement cet intérêt de la CIA. Bien sûr, bien sûr. Qui a pu lui faire prendre ses distances parce que c'était probablement quelqu'un qui voulait garder vraiment sa vie privée. Et qui a voulu absolument éviter que la CIA sache qui il était. Et après, il y a ce côté idéologique, en fait, qui est très puissant. Le fait de se dire, voilà, si je pars, ça sera vraiment décentralisé. Et c'est d'ailleurs une des choses qui fait que Bitcoin a une place toute particulière parmi les cryptos, au-delà de sa capitalisation, au-delà de son ancienneté. C'est le fait que sur Bitcoin, on ne sait pas qui est le créateur. Et donc, il y a une centralisation moindre que sur d'autres blockchains, que sur d'autres protocoles. Mais tu as complètement raison, Claire, je ne me rendais pas compte. Sur tous les gros projets crypto-blockchain aujourd'hui, les équipes sont connues quand même. Il y a très peu de projets qui sont totalement, dont les créateurs sont anonymes. Il y en a quelques-uns, effectivement. Mais dans les gros, non, il n'y en a pas. Tu vois, le protocole numéro 2 en termes de capitalisation qui s'appelle Ethereum a un fondateur qui est très connu et qui est très influent. Oui, c'est d'ailleurs un des reproches que la communauté Bitcoin peut faire à Ethereum. Ils leur disent, la décentralisation dans Ethereum, c'est une blague, parce que finalement, quand Vitalik Buterin, qui est le créateur, dit quelque chose, tout le monde suit. Ah oui. Ah, c'est fou. La gouvernance, c'est important. Ouais. Oui, mais je ne me rendais pas compte à quel point, effectivement, le Bitcoin est à la fois donc, le plus gros projet autour de tout ça, et en même temps, j'ai envie de dire, un des plus purs et des plus absolus dans cette philosophie. Oui, complètement. Mais surtout que, dès le départ, Satoshi, il ne laisse pas la moindre trace.
Donc il le savait dès 2008, quand il publie le white paper. Oui, il est déjà anonyme. Ouais, ouais, mais même à des niveaux matériels, quoi. Son adresse IP, bon courage pour aller la chercher. Enfin, il le savait, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, on retrouve un peu cette abnégation chez les cypherpunks. Donc, tu as parlé d'Assange tout à l'heure, mais il y a aussi, je pense, à Snowden. Oui. Lui, c'est un peu l'histoire inverse de Satoshi. C'est-à-dire que ce qui lui tenait le. Enfin, quand on lit son bouquin et quand on voit les différents films documentaires et de fiction qui ont été faits sur lui. Ce qui lui tenait à cœur, c'était sa vie privée, justement. Le fait de pouvoir contrôler ce qu'il divulgue, à qui et comment. Et en fait, pour crédibiliser ses révélations, donc au moment où il a sorti ses révélations, il fallait qu'il dise qui il était et d'où il venait, et d'où il avait eu tous ces documents. Et donc, ça a été, en fait, son sacrifice que de dévoiler voilà, qui il était et son nom et tout ça, quoi. Voilà. Oui, oui. Ça, c'est fou quand même. C'est vraiment fou ce passage. After an intensive 2-year investigation, the FBI arrested Ross William Ulbricht, a San Francisco resident in a public library, and the alleged digital drug lord, if convicted, is facing life in jail. Finalement, de Satoshi, on ne sait rien sauf ce qu'il a écrit. We know that he's an English speaker. He uses some UK spellings for words, but he only does it twice. We know what times he posted on the Bitcoin Talk forum, what time zone he may live in. Chaque fois qu'il est question de savoir si quelqu'un est Satoshi, on dit non, mais Satoshi ne devrait pas être comme ci, ne devrait pas être comme ça. D'abord, un, vous ne savez pas qui c'est. Deux, si c'est un génie, il est forcément un peu farfelu. Hein. C'est pas un monsieur tout le monde. Et trois, il a pu changer. That's the extent of our knowledge. Donc pour les gens qui ne savent pas, avant qu'on voit ce pauvre Satoshi Nakamoto, aujourd'hui, personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto ou qui sont Satoshi Nakamoto, on est d'accord. Il y a eu des gens qui le savent. Hein. Oui, mais on a vu notamment un procès qui aurait peut-être pu révéler si un homme qui se disait Satoshi Nakamoto l'était ou pas. Dont on parlera tout à l'heure. Voilà, on a vu des enquêtes un peu foireuses comme celle qu'on va voir dans quelques instants. On est d'accord qu'aujourd'hui... Je me suis posé la question avec des personnes avant de faire cette émission avec vous. Je cherchais qui étaient les personnes vraiment très célèbres et vraiment 100% anonymes. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être que Banksy, un street artiste, dont d'ailleurs il y a beaucoup plus de soupçons et beaucoup plus de traces potentielles pour essayer de le retrouver. Mais je crois qu'on est quand même dans l'inconnu le plus célèbre de notre ère aujourd'hui, je crois. Il y a quelques écrivains, je crois. Elena Ferrante, par exemple, je crois que c'est un pseudo. Mais effectivement, ouais, c'est pas quelque chose. Bah, on est un peu dans une époque où on se met en scène sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est assez fou que Satoshi ait fait ça. On est à l'heure de Facebook et tout. Ouais. Et lui, il prend le contre-pied total, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment aussi la deuxième chose. Donc après cette histoire de double dépense, c'est l'anonymat de Satoshi. Enfin, c'est vraiment un des plus grands trucs qu'il ait fait après le Bitcoin. Ouais. Ou même avant le Bitcoin, enfin égalité. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé pour faire le Mister Satoshi aussi, quoi. Ouais. Bon, on dit dans le chat que c'est peut-être le Zodiac Killer, que c'est peut-être le YouTuber masqué, effectivement masqué, qui est un YouTuber qui est toujours masqué, c'est vrai. Bon, on ne saura pas. En tout cas, c'est pas l'homme que vous allez voir dans quelques instants, qui est vraiment un mec qui a pas une moule. Bitcoin. But your address in Bitcoin, I don't know anything about it. 64-year-old Dorian Satoshi Nakamoto emerged from his Southern California home Thursday and walked right into a media frenzy, hours after Newsweek magazine claimed he was the mystery man behind Bitcoin. Les archives américaines, elles font le job. Elles sont goldées. Fonctionne en toute autonomie, sans moi. Donc là, on attaque Satoshi, le troisième épisode. Son créateur, sans intermédiaire. La confiance reposerait sur le code. Qui s'appelle la citadelle imprenable. Dans le réseau. Dans mon silence, le Bitcoin s'épanouissait, se consolidait. La multiplicité et la dispersion grandissante des machines qui faisaient tourner mon programme le rendaient inattaquable. Chercher à découvrir ma véritable identité n'y changerait rien. La citadelle, c'est un peu un mème dans la communauté
Un petit peu comme Matrix aussi, que Danel mentionne dans le deuxième épisode. Du coup, c'est des petits clins d'œil comme ça que je me suis amusé à mettre. Je ne savais pas que c'était un petit easter egg pour la communauté. Ouais, c'est le fantasme des bitcoiners de pouvoir avoir leur propre citadelle. Voilà. Très rapidement, avant qu'on attaque justement ce côté citadelle imprenable, sécurité, etc., dans le chat, il y a Ouraiden qui dit « Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui qu'une crypto, donc on va dire une crypto-monnaie, sans leader apparent, puisse également grossir et venir challenger les gros projets ?» Peut-être que Claire, là-dessus, toi qui as vu passer quand même beaucoup de projets plus ou moins ambitieux, ou plus ou moins poseurs, on va dire, est-ce que c'est, en 2022, c'est possible ou pas, ou c'est vraiment, ça commence à être quand même assez verrouillé ? Alors, théoriquement, bien sûr que c'est possible. Toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est déjà très difficile d'aller challenger les plus gros projets parce qu'il y a un effet de seuil qui s'est créé en termes de rassemblement des communautés. Tu vois, la communauté Bitcoin, elle est assez grosse. La communauté Ethereum, elle est aussi très grosse. Et globalement, après, plus tu vas dans des blockchains confidentielles, plus tu as une communauté qui est réduite. Et donc, pour arriver à créer un protocole qui serait innovant, déjà en termes techniques, c'est pas si simple que ça. Et pour arriver à rassembler derrière soi une communauté qui permette de faire émerger ce protocole, c'est super compliqué. Donc pour moi, la vraie difficulté, elle est plus dans venir challenger les protocoles existants que dans anonyme ou pas anonyme. En fait, je pense que tu pourrais y arriver en étant anonyme, même si c'est peut-être plus difficile, parce que du coup, tu ne vas pas faire de conférences, tu ne te montres pas, etc. Ouais. Mais pour moi, la vraie difficulté, elle n'est pas tant liée à l'anonymat que à, d'une part, l'innovation technique et d'autre part, le fait d'attirer des communautés. D'accord, très bien. Bon, on va reprendre justement dans le chat. Évidemment, les débats sont passionnés. Et il y a même le producteur du doc qui intervient dans le chat et qui donne son avis. Ouais. Salut, Igal. Peut-on ne pas avoir d'avis ou de sentiment sur tout ça? Je crois que c'est impossible. Allez, on reprend. Yes, I was around in those times, but I was very annoyed with the Newsweek. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais t'imagines, tu t'appelles vraiment Satoshi Nakamoto, quoi. C'est comme le mec qui s'appelle Harry Potter, tu vois. Il a rien demandé, et puis un jour, t'as quelqu'un qui a décidé de prendre ce nom-là, ça a bouleversé toute sa vie, quoi. J'avoue que le pauvre petit gars, à chaque fois que je le vois, franchement, tu vois sur son visage la lassitude. sa vie a changé, voilà. The Newsweek research. Non, dédommagement, on lui a offert quelques bitcoins, hein. C'est une figure maintenant de la communauté. Ouais. Incroyable. Moi, je vais me renommer Ethereum, parce que ça peut intéresser des gens, c'est pas bon. Voilà. What Newsweek did is they found a guy named Satoshi Nakamoto, and they're like, we found him. C'est bien amusé, ça, cette séquence. I'm not in Bitcoin. But your address is Bitcoin. I don't know anything about it. She wouldn't have chosen his real name. And so they were literally looking for a John Doe, found John Doe and said that was Satoshi. It's very poor journalism because they went to his home, they kind of harassed this guy. And so he was put under the spotlight and he was just a very quiet dude. He didn't really want to be found. So it was a very uncomfortable position for him and very unethical on Newsweek. Ce qui est la preuve que c'est vraiment Sakamoto parce qu'il voulait pas être célèbre. Voilà, c'est bon. Ouais. C'est la preuve. The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. Le pauvre. Ouais. Mais il est génial ce passage-là en plus. Ouais, enfin, c'est bête, mais. Parce qu'en fait, pour le faire venir aux locaux, là, c'est les locaux d'Associated Press. Et pour le faire venir, donc il y a un journaliste qui lui a dit venez, on va discuter de tout ça, je vous paye des sushis et des makis et tout. Et du coup, dans l'archive, on n'a pas pu tout mettre. Mais tu le vois en train de manger ses sushis, machin, en train de discuter et tout. Et t'es là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, le pauvre, le pauvre. Aïe, aïe, aïe. When the first transaction occurred,
which was 9 days into the Bitcoin blockchain, Satoshi Nakamoto signed some amount of Bitcoin that they had mined and sent it to an address that we know belonged to Hal Finney, a computer scientist who was one of the first people interested in Bitcoin and communicating with Satoshi Nakamoto. Hal had built reusable proof of work. He had kind of built some of the key components that enabled Bitcoin to be successful. Satoshi was asking for help in terms of people needed to help him get it all built and help mine it and kind of incept it. And so Hal and Satoshi worked together, and Satoshi sent him the first ever Bitcoin transaction. Un système libre, c'est un système autonome. Ça, Hal l'avait compris. Le Bitcoin ne constitue pas qu'une simple monnaie d'usage numérique, mais un moyen de s'organiser en toute indépendance. Il y a une intuition qui est révolutionnaire, c'est d'avoir décidé par un acte proprement souverain qu'on allait faire payer le coût d'entretien du système en le rémunérant avec la monnaie du système. Bitcoin, c'est le nouvel or, de l'or numérique. Comme l'or, la quantité de Bitcoin est limitée. Comme l'or, plus il y a de chercheurs, plus il est difficile d'en trouver. What's mining? It's a big question, you know. It's an industry. And it's a bit of a philosophy also, but most of all, it's like the cornerstone of Bitcoin technology. It's a currency system, right? So in a currency system, you either own currency or you're sending it. That's pretty much all you do with currency, right? And how you would usually build that into a computer system is that you have a database. And this database lists like who owns how much money. And when someone wants to send money, you just change the database. But if you want to do it in a decentralized way, like Bitcoin does it, all the participants in the Bitcoin ecosystem store a copy of the same database. And when someone wants to make a transaction, which is to change the database, then he has to coordinate with everyone else to make sure that everyone agrees that this is a kind of okay thing to do. Juste rapidement là-dessus, d'un point de vue réalisation, et j'ai aussi un point pour toi, Claire, le fameux moment où tu expliques aux gens et au grand public ce que c'est que miner du Bitcoin, parce que le terme est tellement finalement trompeur pour le grand public, parce qu'on ne mine pas de Bitcoin, évidemment. Déjà, pour toi, Rémi, la question, c'est comment tu... Est-ce que vous êtes pris la tête à dire comment on va représenter le concept le plus clairement possible? Parce que même quand tu comprends le concept, il faut ensuite il faut le digérer, quoi. Ouais, ben, c'est vrai que la vulgarisation du process est quand même assez... compliqué, donc on a beaucoup testé de choses au montage et puis même avant avec la transcription de Philippe Salter, donc c'est l'intervenant qu'on voit à ce moment-là du doc, mais ce qui est bien, c'est qu'il est très vulgarisant, enfin il explique très bien les choses et il faut partir de la base, il faut dire une banque, un serveur, Bitcoin, des milliers. Voilà, ça c'est vraiment le premier truc à comprendre. Ensuite, donc la décentralisation, c'est vraiment le truc déjà. Ouais, ça c'est déjà, vous comprenez ça sur le Bitcoin, je pense que une grande partie du chemin est fait, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Comment tu fais justement, toi, Claire, quand tu dois expliquer déjà à un public qui est divers, parce que tu t'adresses, j'imagine, à des interlocuteurs très divers, mais cette notion de décentralisation, de récompense, de calcul, de proof of work, de plein de choses, le minage du Bitcoin, qui en fait derrière ce terme se cache beaucoup beaucoup de choses en même temps finalement. Ouais. Alors déjà, je l'explique pas systématiquement. Je me souviens au début, tu vois, en 2015, 2016, 2017, on voulait vraiment expliquer le minage à chaque fois. Et en fait, on en est un peu revenu parce que finalement, on pense que l'important, c'est d'abord de comprendre ce que ça apporte plutôt que comment ça fonctionne. D'accord. Mais donc effectivement, quand on doit l'expliquer, tu utilises une image, une comparaison. Tu vois, la comparaison avec l'or, elle est quand même intéressante. Parce que ça te permet de comprendre cette histoire de quantité limitée, du fait que tu vas en émettre, le fait que c'est de plus en plus difficile aussi d'aller en émettre de nouveau. Et puis après, tu vois, moi j'utilise souvent aussi l'image des mineurs qui sont en compétition, oui. Un peu comme on serait tous devant une porte avec un digicode, et on essaierait tous de trouver le plus vite possible le digicode qui ouvre la porte. Et donc c'est un peu celui qui va le plus vite, qui a le plus de chances de trouver le premier. Sans forcément que ça soit lui qui y arrive à chaque fois.
Et une fois que quelqu'un a trouvé le bon digicode, il peut prévenir tous les autres et tout le monde peut vérifier que c'est le bon code. Ouais. Rendez-vous. Et oui, il faut fonctionner en... Pardon, il faut fonctionner en analogie, c'est le plus simple, je pense. Ouais. On va reprendre justement cette analogie. Il est plus difficile de pirater 20 000 ou 100 000 ordinateurs si on veut modifier ce registre que pirater un ordinateur bancaire. Si moi je décide de vous envoyer un bitcoin, je vais faire une transaction et cette transaction elle va être mise dans une sorte de groupe de transactions. Derrière, il y a des acteurs de la communauté qu'on appelle des mineurs qui vont piocher dans ce groupe de transactions en attente et qui vont constituer un bloc. Et ensuite, ces mineurs vont tous être en compétition les uns avec les autres pour valider ce bloc de transactions. Bonne explication, Claire. C'est l'habitude. The network kind of creates a very complex mathematical riddle that someone has to solve in order to progress the blockchain, to create a new block in the blockchain. Et on n'a pas d'autre choix que de tester toutes les combinaisons possibles. À pile ou face, ça veut dire sortir à peu près 90 fois pile de suite. Alors vous pouvez essayer, vous n'y arriverez pas de votre vie. Donc ça veut dire qu'il faut le faire des milliards, de milliards, de milliards de fois. Bon, ça ne veut pas dire que le problème soit compliqué, c'est que c'est onéreux en matériel et en énergie. Il y en a un qui va réussir plus vite que les autres, qui va gagner cette compétition, qui va donc gagner des bitcoins, c'est comme ça qu'il est encouragé à faire ça. Et il va dire aux autres, voilà, regardez, j'ai réussi la compétition. Les autres vont dire, ok, bravo, c'est toi qui valides le bloc. Ce bloc va être ajouté au registre. Et à ce moment-là, la transaction va être considérée comme validée. Et donc, vous aurez reçu le bitcoin que je vous ai envoyé. La blockchain Bitcoin, c'est la blockchain qui répertorie toutes les transactions faites dans Bitcoin. Et elle répertorie ces transactions depuis l'origine. La blockchain, c'est quelque chose qui existe avant Bitcoin. C'est une très vieille idée, qui est que si chaque information est liée à l'information précédente et qu'on est en mesure de remonter la chaîne, ça a une certaine solidité. Moi, je dis parfois, ceux qui l'ont inventé, c'est les marchands d'art. Puisque depuis le XVIe siècle, vous avez des tableaux, on sait qu'ils sont sortis de l'atelier de Rubens, qu'ils ont été achetés par Monsieur Machin, qu'il a revendu à l'évêque ceci, que c'est rentré dans tel musée. Ce qui fait que certains tableaux, on peut les tracer de façon assez certaine sur un siècle ou deux. Plus le temps passe, plus une transaction se cristallise sous les strates de celles qui suivent. Pour la modifier, il faudrait les modifier toutes, et sur des milliers d'ordinateurs. Pas infaillible, mais presque. Ce système de minage est extrêmement important pour contribuer à sécuriser le système. Personne ne dépensera cette consommation d'électricité s'il n'est pas certain que toutes les transactions du bloc sur lequel il travaille sont légitimes. Parce que s'il le faisait, ce bloc serait rejeté par l'ensemble du réseau et il aurait donc perdu cet effort, cette dépense monétaire, financière et énergétique qu'il a consenti. Alors là, on va parler un peu de la sécurité, donc la citadelle, un problème, parce que je vois aussi des questions dans le chat. Alors déjà, effectivement, si vous n'avez pas compris, même avec cette explication la plus claire possible de Claire et de Rémi via documentaire, c'est normal parce que, encore une fois, le minage, en quelques secondes, c'est dur à expliquer. C'est un concept qui, en plus, a différentes techniques. Il y a plusieurs points qui reviennent. Il y en a un qui... Déjà, il y a un point rapide, c'est Aiden Space dans le chat qui dit, justement, ces blocs, justement, on accumule des blocs, on accumule des, on va dire, des entrées dans ce grand registre de commerce, et ça représente quelle taille en termes de stockage? Est-ce que ce fameux fichier partagé il grossit chaque seconde et à un moment, est-ce que ça devient un truc gigantesque et donc de plus en plus dur à gérer? Alors oui, il grossit toutes les 10 minutes, hein, puisque sur Bitcoin, vous avez environ un bloc toutes les 10 minutes. Donc d'accord. Effectivement, c'est un fichier, une base de données qui grandit. Mais il faut savoir que ce n'est pas une base de données au sens, ce n'est pas votre disque dur qui va stocker des photos HD super lourdes. Mmh. Donc c'est une base de données qui pèse, alors il me semble que c'est quelques centaines de gigas. On parle de 200 gigabits dans le chat. Voilà, je n'ai pas le chiffre exact. Mais donc c'est effectivement une base de données que vous pouvez a priori stocker sur un serveur normal. Vous n'avez pas besoin de faire un investissement monstrueux pour stocker la blockchain Bitcoin. Mais effectivement, c'est une base de données qui augmente. Alors après, il y a différentes théories. Il y a ceux qui disent c'est un problème parce que dans 50 ans, on aura une base de données énorme. Et puis, oui. Tu as ceux qui disent de toute façon, le temps que cette base de données augmente, on aura des technologies de stockage qui se seront considérablement améliorées. Donc, ce n'est pas un sujet. C'est vrai que quand on regarde les technologies de stockage à 15 ans avec celle d'aujourd'hui,
dans une micro SD, on a un truc qui est plus gros que n'importe quel gros PC chez quelqu'un. Et autre point, du coup, cette citadelle imprenable, justement, est-ce que cette combinaison, ce trio de cryptographie, donc de blockchain, de décentralisation, ouais, et du fait que, comme ils disent, il n'y a pas une banque, un serveur, mais plein de serveurs, et qu'il faut que, d'une certaine manière, il faille arriver à avoir la dépense, la synchronisation pour attaquer un certain nombre de serveurs, donc une majorité de serveurs en même temps, pour arriver peut-être à dérailler la blockchain, etc., etc. Est-ce que, et on ne parlera pas du point informatique quantique parce que là, on va se projeter trop loin, mais est-ce que aujourd'hui, ça rend justement ce système comme quelque chose d'extrêmement sûr, voire de... Enfin, en théorie, rien n'est inviolable, mais dans la pratique, ouais, c'est quasiment impossible de faire dérailler aujourd'hui quelque chose comme le Bitcoin ou l'Ethereum, vu le nombre de nodes et de serveurs qui les gèrent en simultané. Donc, je rappelle qu'il faudrait attaquer plus de la moitié des serveurs d'un coup, d'un seul, pour dérailler une partie des transactions les plus récentes et même pas toute la blockchain, ouais, c'est ça ? Alors, c'est effectivement extrêmement sûr, parce que la puissance de calcul qu'il faudrait déployer pour ça serait proprement énorme. C'est d'autant plus sûr qu'il n'y a vraiment aucun intérêt économique, a priori, à le faire. Puisque vous déploieriez toute cette puissance, pourquoi ? Pour finalement récupérer des bitcoins, mais en fait vous feriez chuter le cours puisque plus personne n'aurait confiance dans le réseau. Donc en fait l'intérêt économique déjà est quasiment nul. Donc la seule hypothèse dans laquelle ça pourrait arriver, c'est peut-être un intérêt politique. S'il y a plusieurs États qui décident, je ne sais pas, de s'allier pour attaquer Bitcoin par exemple. Mais même là, il faudrait mettre des moyens technologiques extrêmement ambitieux. Et en plus, c'est une possibilité dont est consciente la communauté Bitcoin. Ouais. Et voilà, c'est un sujet qui a été travaillé, envisagé maintes et maintes fois. Et donc, le protocole est aussi sécurisé et construit pour ça, pour pouvoir résister à ce type d'attaque. C'est vrai que tu as raison, je m'étais dit, si à un moment tu dépenses plus d'argent à le voler, effectivement, ce n'est pas très rentable. Ah bah, ouais, en tout cas, il ne faut pas le faire pour l'argent, quoi. Ouais. Pour la célébrité. Bitcoin system, but I don't trust my neighbors and I don't trust the miners and I don't trust the transactions that I see and I don't trust the blocks that I see. I verify everything, or rather, my computer does. And because everybody's verifying everybody and because nobody trusts anybody, we can all trust the ultimate result because it's been checked by so many thousands of computers. Le fameux concept de confiance dont on parlait qui est révolutionnaire. On the Bitcoin network. Qui est très bien expliqué. Mais là, Andreas Antonopoulos, c'est un des meilleurs vulgarisateurs. Et c'était super. Incroyable. Franchement. Mais j'aime tellement cette idée que la confiance ultime vient du fait qu'on n'a pas à se faire confiance et on ne se fait pas confiance. Et donc, des milliers d'ordinateurs vont gérer cette confiance pour nous de manière décentralisée. C'est impressionnant. Bitcoin est garanti par quelque chose de bien plus solide que les talons or. Le Bitcoin ne dépend de personne. Il repose sur tous ses participants. Pas de banque centrale, mais un registre partagé par tous, transparent, inattaquable. Un logiciel largement dispersé devient inarrêtable, imprenable. Une citadelle. Donc ça demande beaucoup de puissance de calcul. Ce qui fait que les mineurs aujourd'hui investissent dans des machines spécifiques, dans des cartes graphiques, dans des serveurs, etc. People are worried that Bitcoin mining is using too many natural resources and is polluting the environment disproportionately. Of course, they're right. Sure, it's using power, of course. It's not a free resource. But we have to see it not only as a cost, but we have to see it as an investment. Let's say spending all this power and energy on Bitcoin, what are we getting? People are not yet en masse seeing the kind of philosophy behind it, this cypherpunk kind of idea, you know? The idea of owning your data, the idea of being decentralized, being decoupled from the banks to revolutionize our old systems and bring it back in the hands of the people. All these great ideas. People think that if you go like the cheap way and the easy way, then you'll use coal power. And if you invest more money and you do the more responsible thing, then you'll go for green power. Actually, coal power is not so cheap, which isn't so surprising, right? You have to dig it out of the ground, you have to burn it. Meanwhile, with renewable energies like hydropower and wind, you make a big infrastructure investment for a hydro dam, yes, sure, but then the power is free for hundreds of years. Défendre. Je vous propose qu'on reporte peut-être à la fin toute la partie écologique, qui est une partie évidemment qui est une vraie partie, et surtout qui est une discussion qui a une proportion énorme dans les discussions, on va dire, grand public autour du Bitcoin. Ouais. Et franchement, on va se la garder pour la fin, ok ? Ouais. La vie privée a un coût, et ce coût est énorme.
Les détracteurs des monnaies numériques font semblant de ne pas voir que la planète paie le prix du monde électronique. Nos actions virtuelles impriment sur le réel une marque indélébile, celle de la pollution numérique. Et je ne parle pas que de mon programme. Une part non négligeable de nos existences se déroule en ligne. Le Bitcoin est aussi utile, voire davantage, que les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming. Et il est là pour rester. Cherchons à l'améliorer. I think Hal Finney actually would have anticipated what we're seeing now. And you can see in like those emails that are public, that were between him and Satoshi, talking about the carbon footprint, talking about more and more like miners kind of becoming professional miners. All of these things, I think, were talked about in the first days of Bitcoin being published. And it's just a mirror of how things actually happen. Donc même si on en parlera plus tard après le documentaire, c'est intéressant parce que là encore, c'est intéressant de voir qu'ils avaient vu, et oui, notamment, on le voit dans le white paper, Satoshi lui-même parle des faiblesses potentielles aussi et structurelles du Bitcoin et des choses équivalentes. Et c'est intéressant. Est-ce qu'ils l'imaginaient ce qui se passe aujourd'hui, 14 ans plus tard, je ne sais pas, mais c'est intéressant de voir que l'écologie, le créateur du Bitcoin notamment, et l'empreinte et la pollution numérique, le créateur du Bitcoin l'avait déjà pas mal en tête, même s'il a créé du coup le Bitcoin derrière. Mais c'est parce qu'en fait, quand il a publié le white paper, il y a des tas de cypherpunks qui sont venus et qui lui ont dit « Oui, mais ça ne marchera pas comme ça. Oui, mais est-ce que tu as pensé à ça ?» Et du coup, ils ont envisagé vraiment toutes les possibilités. Quand on lit les posts, il y a même une référence au... Tu parlais des ordinateurs quantiques. Il y a une référence à ça. Enfin, oui, c'était très... très en avance, quoi. Satoshi disait, de toute façon, dans 10 ans, soit il y aura beaucoup de volume, soit il n'y en aura pas. Ça, il l'a écrit. Donc, je pense qu'il avait quand même une vision à assez long terme, quand même. Très bien. Let's go. Hal had a degenerative motor neuron disease. He only had a few years left to live. And so, after he found that out, you know, he spent a lot of his time still working on Bitcoin, but eventually died. He's cryopreserved at Alcor, which means he's frozen. Hal unfortunately died in our modern clinical term of death, but you know, there's still a small chance he might come back later. He was a dear friend, and I was, I think the world has lost a kind humanitarian, talented software engineer and cryptographer. L'impact du monde numérique sur nos civilisations s'avérait colossal. Nous vivions en direct l'avènement d'une société nouvelle, aux organisations différentes, qui aurait forcément besoin de sa monnaie. Sans frontières, inarrêtable, autonome et donc libre. Le Bitcoin. Une mécanique de précision à toute épreuve. Ah, juste un détail. Comme l'or, le Bitcoin allait rendre les gens fous. So you're going to show me that Satoshi Nakamoto is you. Yes. Donc on va attaquer l'épisode qui va intéresser aussi beaucoup de personnes, parce que là, on va parler de spéculation, notamment, et d'hystérie spéculative autour du Bitcoin. L'utopie commence à être dévoyée. Et juste une petite précision sur la fin de l'épisode 3. En fait, Hal Finney, il a travaillé avec Philippe Zimmermann sur PGP, justement. Oui. Donc, c'était ça aussi qui était intéressant. Donc, c'est deux monstres de la cryptographie, en fait. Ah oui, Hal Finney, c'est un personnage très, très important de... du Bitcoin et de la cryptographie en général. Ouais. 13. Milliardaire. Riche d'une fortune dont le commun des mortels ne peut que rêver. L'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a que ça qui vous intéresse, pas vrai? On finit toujours par vouer un culte à nos moyens d'échange. Le Bitcoin n'allait pas y couper. That was a pretty wild year because from the start of the year to the end of the year, Bitcoin went from $10 to $1,000, which is a 100-fold return. In January 2013, there was only a dozen of us who would show up to the Bitcoin meetup in San Francisco. And then in March, when the price hit $260, there was 100 people. And it was just crazy, and there was VCs handing out business cards. And we were like, oh, but this Bitcoin thing is becoming real. Ma disparition a complètement libéré la créature. La valeur du Bitcoin devenait hors de contrôle.
Sur les plateformes d'échange, le jeu de l'offre et de la demande en faisait un objet de spéculation hyper volatile. Un jour, vous pouviez vous acheter une pizza. Le lendemain, une voiture de sport. C'est là où je pose la question au chat. Il va falloir que le chat soit honnête. Hein. Et peut-être que nous aussi, on va être honnête d'ailleurs avec Claire et Rémi. Est-ce que vous êtes dans le Bitcoin et vous intéressez à tout cela pour la spéculation et pour gagner de l'argent? Ou est-ce que vous intéressez à cela pour, on va dire, le projet technologique ou le projet politique? On va faire un truc, si les modos peuvent me faire un petit sondage, un truc tout simple sur le sondage, c'est, on va dire, quel est le taux de spéculation dans votre motivation à vous intéresser à ça? On va dire entre 0 et 100, on va dire de 0 à 20, de 20 à 40, 40 à 60, 60 à 80, 80 à 100. Et bien sûr, tout le monde va être d'une honnêteté absolument incroyable dans le chat ce soir, ça va être impressionnant. Puisque à chaque fois que je discute avec des gens, j'ai l'impression que tout le monde n'est là que pour la technologie et pour la politique cypherpunk. Et moi, je peux vous le dire, hein, je me suis mis, je connais, je suis, allez, pour donner l'exemple, je suis moi les crypto-monnaies depuis très longtemps, donc j'en ai entendu parler en 2011 ou 2012. Je ne m'y suis pas intéressé plus que ça, sauf à la technologie. Et je m'y suis mis là l'année dernière, parce que je me suis dit, eh ben, il faut que je fasse fructifier de l'argent, je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas machin. Et je me suis mis dans divers, je me suis exposé à divers crypto-monnaies, divers projets pour spéculer en très, très grande partie. Donc moi, je pense que je suis passionné par tout le sujet technologique et politique qui est autour, mais je pense que ma motivation pour suivre tout ce qui se passe actuellement, elle est un bon sou, je vais dire à 80% pour la spéculation, par exemple. Ah oui. Rémi, est-ce que tu as le droit, tu n'es pas obligé de répondre, est-ce que tu es exposé toi-même aux crypto-monnaies et est-ce qu'il y a une partie de spéculation ou pas? Tu n'es pas obligé de répondre. Moi, j'en avais un petit peu parce que je pense que pour traiter du sujet, c'était assez important en fait de mettre les mains dans le cambouis, quoi, d'en acheter, de voir ce que ça fait de passer par un exchange, d'en envoyer. D'accord. Voilà, parce que sinon, ça me paraissait difficile d'en parler. Mm-hmm. Et après, cette discussion, ça me rappelle un de mes mèmes préférés de la communauté. C'est un gars qui est couvert d'or et qui dit « I'm in it for the tech ». Donc ouais, il y a cette ambivalence là un petit peu. Mais en vrai, je pense vraiment que le fait de considérer le Bitcoin comme une monnaie en premier lieu, ça pollue la compréhension du programme, du protocole, etc. Enfin, c'est très sincèrement, moi, c'est vraiment la technologie qui m'a d'abord happé, et puis ensuite, évidemment, il y a cet aspect spéculatif sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, quoi. Évidemment. D'accord. Mais toi, tu l'as quand même fait plutôt pour la science. C'est ça, pour l'art. Claire, toi, c'est ton job aussi, mais... Ouais, alors moi, le truc, c'est que pour le coup, je me suis lancée dedans en 2015. Et pour le coup, j'ai été dedans pendant un moment sans en acheter. Parce que je le faisais pour lancer une boîte. Donc après, tu peux te dire, quand tu lances une boîte, c'est aussi en partie pour l'argent. Mais en tout cas, c'était pas pour la spéculation. Voilà. Ouais. Donc, pour le coup, au début, moi, je me suis intéressée au sujet vraiment avec 0% de spéculation, puisque je n'en avais pas. Après, j'en ai acheté, mais tu vois, j'étais étudiante ou je sortais d'école, j'avais un prêt à rembourser, donc j'ai acheté 50 euros. Donc, tu vois, je spéculais, mais oui. L'enjeu n'était pas monstrueux. Ouais. Et effectivement, c'est qu'il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, que j'ai commencé à investir un peu plus régulièrement et sérieusement. Mais c'est vrai que j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à estimer ce qui joue dans ma motivation entre le fait que j'en ai et le fait que je trouve ça passionnant. Ouais. J'ai quand même envie de me rassurer moi-même en me disant que si j'étais là au début parce que je trouvais ça passionnant sans spéculer dessus, c'est que c'est ça la majorité. Mais indéniablement, voilà, je regarde mon portefeuille de temps en temps, quoi. Oui, t'inquiète, moi aussi. Surtout les premiers soirs où tu es là à 2h du matin, tu fais attends, le cours asiatique, est-ce que les asiatiques ils ont fait chuter ou monter le truc? Après, tu te remets à dormir, mais les premières nuits, c'est un petit peu compliqué. On va du coup parler effectivement de cette spéculation parce que, un peu comme l'écologie, j'ai l'impression que c'est les deux sujets qui vraiment écrasent l'entrée des gens et les discussions et le traitement médiatique du Bitcoin. Et plutôt, encore une fois, parce que ce sont des vrais sujets, mais qui sont vraiment, j'ai l'impression, les deux facettes les plus connues et discutées du Bitcoin. C'est un, l'écologie de la planète, etc. Et deux, la spéculation autour. Et évidemment, je pense que les gens qui regardent l'émission ce soir, vous êtes plus ou moins au courant des taux et des records et des chutes et des dips et des bullruns et des bear markets. Mais quand même, à revoir, c'est toujours assez vertigineux.
There's a lot of companies that raised money to go build products and services. Bitcoin hitting $1,000 really blew people's minds that this was like a new technology, a new valuable money. Of course, it's growing, right? More and more people are hearing about it. The philosophy behind it, owning your own data and being against the banks. La confiance s'érode de plus en plus. Et plus elle s'érode, et plus elle alimente l'intérêt pour d'autres formes de monnaie, plus aptes à garder de la valeur que les monnaies étatiques, dont Bitcoin, bien sûr. J'avais décidé dès le début que le Bitcoin serait une ressource finie, rare. L'émission de Bitcoin prévue à l'avance diminue avec le temps. Un jour, elle cessera totalement. Nos monnaies classiques, elles peuvent être émises de manière discrétionnaire par les banques centrales, sans limite, sans contrôle de la population, sans contrôle démocratique. Et finalement, qu'est-ce que c'est que cette monnaie ? Quel est le sens, quel est l'intérêt de continuer à payer des impôts, par exemple, alors qu'on peut créer de la monnaie sans limite ? Satoshi's brilliance was in the monetary policy. He invented, you know, pure digital scarcity with Bitcoin's 21 million hard cap. There will only be 21 million, there will never be more. Et donc, les bitcoins existants auront plus de chances de conserver de la valeur, voire d'en prendre, ce qui est en train de se passer, plutôt que de voir leur valeur diminuer dans le temps. Ah là là le là Bitcoin là. Faisait ressortir ce qu'il y a de... Le point somme, un des points somme du documentaire, je... Encore là. Quand j'ai le faux mot, je regarde cet homme. Pire chez les gens. Apparemment, il ne pouvait pas y avoir d'or numérique sans ruer vers l'or. Il y a quelques mois, il jette un vieux disque dur sans penser qu'il y avait stocké les données nécessaires pour accéder à un petit trésor. S'il ne valait pas grand-chose quand il les a acquis en 2009, les 7500 bitcoins de James Howells représentent aujourd'hui 5,5 millions d'euros. Je laisse le chat faire le calcul pour maintenant. 7500 bitcoins, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Deux secondes de silence pour cet homme. Il les cherche toujours. Get your money, you would need that hard drive. Yeah, there's a specific file on that hard drive called a wallet file, which the Bitcoin is stored in. And without that file, there is no way of getting the money back because there is no central server that records a log of it. So a Bitcoin wallet is the analogy of your bank account, but you're in control of it yourself. You can hold the password, the private key, yourself, not share it with anyone else, but you can share other people like a view access, which is like the public key. And you can give everyone this view access to like show how much coins you have or to allow them to transact with you, but not your private key, which you use to actually unlock your wallet to send funds. And what's cool about that is no one else in the world can get to your Bitcoin unless they have that private key, which is both a good and a bad thing. If you lose your private key or you forget the password that encrypts your private key, well, it's lost for all eternity. And that's the thing, right? In a decentralized system, there's no central entity that you have to trust to make it work. It's got pros and cons. There's also no one that you can write an email to. There's no support service that can, like, help you. How do you... Dans le chat, il y a Corvinoy qui dit « Est-ce qu'on a une estimation de combien de bitcoins ont été perdus ouais. ou, avec, ou qui n'ont subi aucune transaction d'un wallet à un autre depuis des années et des années ?» Bah, on peut littéralement le savoir. Ça. Enfin, perdu, non, on ne sait pas parce que voilà. Mais c'est une ouais. bonne, il y a une bonne quantité quand même. Il y a, hein. il y a une estimation qui circule qui est entre 3 et 4 millions. Ouais, moi j'avais vu un peu moins. Mais un effectivement, moins. En fait, tout dépend ce qu'on compte dedans et à combien d'années on place la limite. Est-ce que tu considères que des fonds qui n'ont pas bougé depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ils sont ouais. forcément perdus ? Oui, c'est vrai que c'est compliqué de savoir où tu mets le curseur. Voilà, où est-ce que tu mets le curseur ? Mais effectivement, a priori, c'est en tout cas probablement plusieurs millions de, ouais. de bitcoins qui sont perdus. Donc plusieurs millions de bitcoins sur ces fameux 21 millions qui sont ouais. une somme finie ouais. quand même. Ouais, oui, oui. Je vous jure, je bois pas d'alcool, mais des fois j'ai envie de boire de l'alcool, ça me fout le vertige. Il y a un Fred sur Bitcoin Talk où un gars répertorie les ouais. pertes avérées. Donc les gens ouais. qui ont dit j'ai perdu les clés à tant de bitcoins, voilà. etc. Et du coup, il fait l'addition. Voilà. Et après, ils ont rajouté ouais, peut-être un million ou deux en fonction de bitcoins qui n'ont pas bougé. Mais ouais, c'est quand même. Bah, en fait, voilà, vous vouliez la souveraineté, vous l'avez. Ouais. C'est quand même compliqué. Bah, surtout que c'est vrai que les premières années, les montants ouais. de bitcoin ouais. étaient impressionnants parce que, bah, on l'a vu au début, ça pouvait être 1 euro pour 1000 bitcoins. Donc oui. tu te retrouvais vite à perdre 1000, 2000, 3000 bitcoins. Mmh. Donc ça allait vite. Hein.
Je sais, enfin, encore une fois, je n'arrive pas à voir comment une personne saine d'esprit qui savait qu'elle avait ça, qui savait qu'elle a perdu ça, n'y pense pas littéralement chaque jour. Vous savez, comme cet anglais où on a aussi parlé beaucoup d'un développeur allemand qui s'est retrouvé là, qui a toujours un disque dur. Stéphane Thomas, qui a l'équivalent de plus de 200 millions de dollars en bitcoin dans ses disques durs, il lui reste une ou deux tentatives sur 10, je crois, pour la seed phrase. Et qui attend peut-être qu'un jour la physique quantique fasse des miracles pour forcer son propre disque dur. Et je me demande s'il n'y a pas des gens qui se mettent à chasser dans des brocantes, des vieux ordinateurs pour dire peut-être que je peux tomber. Tu sais, comme les gens qui achetaient des fois des gens qui vendaient pour savoir des Picasso non signés ou des trucs comme ça dans des brocantes et qui vendaient pour 40 euros des tableaux de maître. Peut-être que tu vas trouver un jour un laptop avec. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, il peut y avoir un vrai incentive à booster la physique quantique justement pour aller craquer ses wallets, pour aller craquer les wallets de Satoshi, tu vois, par exemple. Il y a Antonopoulos qui dit le jour où. L'ordinateur quantique aura réussi à hacker Bitcoin, c'est quand vous verrez les Bitcoins de Satoshi bouger. Voilà. Enfin, à ce moment-là, Bitcoin ne vaudra plus rien. Parce que si la physique quantique peut te permettre de craquer n'importe quelle wallet, tu vois, ça veut dire que tu peux faire confiance au système. Mais je pense que d'ici là, les développeurs ont mis en place. Oui, voilà, mais donc ça n'arrive. On espère que ça n'arrivera pas parce que les choses auront été. Non, mais disons que ça peut être une motivation, même s'ils y arrivent. Passer par de la physique quantique pour acheter des pizzas, ça va vraiment être un flex absolu. Hein. Ça va être le flex absolu. On sera dans Rick et Morty. Grave. Dans le chat, il y a Kaboufi qui dit pourquoi les bitcoins endormis ou inactifs ou peut-être déclarés perdus de ces wallets ne sont pas remis dans le système après un certain temps d'inactivité. Je crois qu'il y a une sorte de... Il y a un truc qui va se passer, non pour... Non, il n'y a pas une histoire pour ce truc qui a été burn à jamais, à un moment de pouvoir les reminer plus tard, non? Ou je me trompe? Non, pas à ma connaissance. Après, ça peut être peut-être prévu dans d'autres protocoles, mais en tout cas, non, sur Bitcoin, c'est perdu. C'est ça. Si on n'a pas la clé privée, on ne peut rien en faire. Et, voilà. Et ils sont burn en pratique, quoi. Ils sont sur une adresse, ils ne bougeront plus. Vous foutez le somme à distance, je vous jure. Vous foutez le somme en télétravail. Juste à le dire. C'est même pas les miens. Enfin, bon, retournons vers cet homme anglais qui essaie de tenir. Do you feel stood here? Well, absolutely devastated, as you can imagine. I just wish I could go back in time and not throw that drive away. Je n'ai pas créé le Bitcoin pour que vous deveniez millionnaire, mais pour inventer une monnaie numérique libérée des intermédiaires. Pourtant, tout ce qu'on retenait de mon invention, c'est qu'elle faisait et défaisait des fortunes. Et donc, c'est un des gars les plus riches au monde, anonyme. Riche en Bitcoin. Riche de ma propre monnaie, d'une fortune dont je ne pouvais pas profiter sous peine de détruire la confiance que j'avais mis tant de temps, tant d'énergie à construire. Il y a un grand mystère, puisque le premier million environ de bitcoins qui ont été minés n'ont pas bougé depuis le début. Which is insane for, you know, for someone to build this massively valuable thing and not touch the money. Is a modern day Prometheus, a modern day saint, if you will. C'est un contexte incroyable de romans, de films, en fait, tout ce qu'on veut. Ou de documentaires. Cet épisode m'a rendu fou, Rémi. Franchement, cet épisode, il me rend fou, quoi. Ouais, c'est le but. C'est de se dire un petit peu comment Satoshi aurait réagi. Hein. Donc, il y a une part de fiction qu'on assume totalement avec mes co-auteurs, avec Julien Goetz, mon co-auteur, et puis Leslie Menahem, qui m'a aidé sur l'écriture de la voix off. Et voilà, ouais, l'idée c'était, on est dans les chaussures de Satoshi, qu'est-ce qu'il aurait pensé de, voilà, du Bitcoin qui prend une valeur incroyable, de la blockchain, de tout ça, quoi, en fait, de toute cette folie qui a suivi, quoi. Tout à fait. Allez, on reprend tout de suite. Je tiens aussi à dire que dans le chat, il y a plein de félicitations pour le documentaire, parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est important de le dire. Ben, merci beaucoup. Même si les gens sont en train de se fighter entre eux pour savoir quel est l'avenir de leur argent. Ce million me brûlait les doigts. Utilisé habilement, il pouvait me permettre de contrôler la valeur du Bitcoin par un jeu de vente et de rachat calculé, d'en faire une monnaie stable, de regagner l'influence que j'avais été forcé d'abandonner si vite. I don't think Satoshi's just going to move his Bitcoin and say YOLO. Oh, I'm just going to move it and see what happens. What he can do is he can sign with his private key, he can sign a message
letting everyone know that he is and what he will be doing with it. It is the only way that if you are Satoshi, to verify that you are Satoshi. Mais d'accord, Claire, que si un jour il y a du mouvement sur les bitcoins de Satoshi, le cours, c'est un grand YOLO aussi, non? Ah ouais. Ah ouais, le cours serait très imprévisible, effectivement, si ça bouge, parce que si ça bouge, ça veut dire plein de choses. Déjà, ça veut dire que Satoshi est encore vivant. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il a décidé d'utiliser ses bitcoins, alors qu'a priori, le consensus aujourd'hui a plutôt tendance à dire qu'il va sans doute plus jamais y toucher pour préserver son invention. Et évidemment, il y a une grosse interrogation sur ce qu'il en ferait. Est-ce qu'il signe un message pour dire quelque chose? Est-ce que c'est pour les vendre? Est-ce que c'est pour les envoyer à quelqu'un? Donc probablement que le cours, finalement, baisserait sur le moment. Après, Bitcoin aujourd'hui est devenu tellement puissant, tellement grand, que je pense que le réseau survivrait à ça. Mais il y aurait effectivement un choc à court terme. Donc on est face à un des hommes les plus célèbres, mais qui doit être le plus inconnu du monde, et un des hommes les plus riches, mais qui doit surtout ne pas être riche du monde. Mmh. Ouais. Mec. C'est mental. Ce million de bitcoins constituait aussi pour moi l'unique moyen de prouver que j'étais bien Satoshi. Y toucher et me dévoiler allait de pair, immanquablement. Était-il temps? So I'm going to do this once, and once only. I'm going to come in front of that camera. Once. Craig Wright's confession could end years of speculation about a person who until now has gone by the name of Satoshi Nakamoto. And I will never, ever be on a camera ever again for any TV station or any media, ever. Toi aussi, t'as du mal à le voir. je vois Claire qui roule des yeux. Elle met dur sur cet homme. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça a été dit dans le reportage, quand tu veux prouver que t'es Satoshi, il y a un truc qui est facile à faire pour prouver que t'es Satoshi. C'est et aujourd'hui, personne ne l'a fait. Donc, ça fait 5 ans qu'il dit qu'il va le faire. Et là, d'ailleurs, il y a quelques semaines, il a failli le faire, puisqu'il est attaqué en tous les mois. Tous les mois, il a failli le faire. Et s'il perdait le procès, il devait redonner la moitié de la fortune qu'il avait annoncée. Donc, il était censé accéder au wallet, mais il n'a pas perdu le procès. Donc, il n'a pas accédé à ce fameux wallet. En fait, l'origine, c'est pratique. Voilà. Techniquement, il a gagné le droit de conserver les bitcoins dont il ne possède pas la clé privée. Voilà. Et donc, dans les faits, il n'a pas touché au wallet, donc il n'a pas prouvé qu'il est Satoshi Nakamoto. Non. Quel homme. The Australian entrepreneur demonstrated he had access to blocks of bitcoins known to have been created in the early days of the digital cash system. I'm about to demonstrate a signing of a message with the public key. Sois fort, Claire. That is associated with the first transaction ever done on Bitcoin. J'ai préparé la réunion avant la démonstration avec quelqu'un qui lui assistait à la démonstration. Et cette démonstration c'était un cryptologue, était faite pour convaincre des journalistes, mais pas pour un cryptologue. Et donc ça a foiré. L'opportunisme ne connaît pas de limite. Le goût de la gloire, vanité. L'anonymat est le prix de ma liberté. Anyone who claims to be the inventor of Bitcoin is lying. Some people will believe, some people won't. And to tell you the truth, I don't really care. Maybe I should rephrase that. There have been some that claim to be the inventor of Bitcoin, but they're not. I don't want money, I don't want fame, I don't want adoration. They're absolutely, positively not the inventor of Bitcoin. Voilà pour dans le chat, il y a des gens qui posaient des questions. Dans combien de temps on aura miné les 21 millions de bitcoins? Je crois que la date, c'est 2140. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Encore une fois, ça prend en charge. Peut-être que les calculs auront explosé, je ne sais pas, à ce moment-là. Ou on se base sur la puissance des ASIC actuels ou... Non, mais même la puissance de calcul pourrait très bien augmenter. Ça ne changerait pas le nombre de bitcoins émis. Hein. Le programme est fait pour que ce soit 21 millions de bitcoins maximum. Mais est-ce que la date de 2140, on pourrait y arriver plus vite en vrai? Non, pas avec le protocole actuel, parce que donc il y a un bloc toutes les 10 minutes et il y a un problème à résoudre pour valider les blocs, on l'a vu tout à l'heure, pour faire fonctionner des machines. Et en fait, la difficulté du problème se réajuste
régulièrement. Ah, d'accord. Donc c'est en fonction de la, voilà, de la puissance de calcul qui est déployée sur le réseau. Mmh. Donc si demain, je sais pas, tu as plein d'entreprises, plein d'États qui se disent on va miner du Bitcoin, on va tous acheter des ASICs pour faire ça, ben, il est très probable que dans deux semaines, le réseau dise ben, vous savez quoi, le problème va être nettement plus dur parce qu'on veut rester à un bloc toutes les 10 minutes et pas à un bloc toutes les 5 minutes. Ouais. Ouais. 2140, vous avez le temps de... Vous avez le temps d'épargner les gens. Mais d'ailleurs, fun fact, tu sais, comme l'émission de Bitcoin décroît avec le temps, il faudra à peu près 33 ans pour miner le tout dernier Bitcoin. Oh là là là. Dites-moi que le mec qui va miner le dernier Bitcoin, il va se payer une pizza. Bah, ou pizza. Bah, non, pas qu'un a priori. Hein, non, c'est ça. Mais il y aura un gars qui va miner le tout dernier Satoshi. Satoshi, ouais, c'est vrai. Et est-ce que ce Satoshi, on l'échangera trois fois plus que le prix du marché? En tout cas, il aura une valeur un petit peu spéciale. Oh là là, c'est intéressant. On va tellement faire un NFT, ça va être incroyable. Je suis déçu de ne pas être là en 2140. Peut-être que je vais me cryogéniser. Comme Alphine. Si tu t'es cryogénisé, attention, parce que si tu bouffes des cartes graphiques pour te faire cryogéniser, je te préviens, ça va mal se passer. D'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de blagues sur les cartes graphiques dans le chat, les gens ne minent plus de Bitcoin avec des cartes graphiques. On utilise des cartes graphiques pour miner d'autres types de monnaies, mais la blague de la carte graphique pour le Bitcoin ne fonctionne plus, parce que comme disait Claire, on utilise des ordinateurs spécialisés aujourd'hui qui n'ont littéralement pas de GeForce. Allez, on reprend. Mon absence avait engendré une figure puissante autour de laquelle gravitaient les égos et les imaginaires. Tout l'inverse de ce que j'avais souhaité en m'effaçant. Le Bitcoin devait conserver son autonomie et la confiance des gens, à tout prix. Je devais me forcer à ne pas interférer malgré la volatilité du cours. Mon million resterait là où il est. Dans les coulisses, une foule d'imposteurs attendait de prendre ma place. Ils copiaient-collaient le code de Bitcoin et les crypto-monnaies proliféraient. Alors là, petit point, qui, c'était un petit point polémique quand j'ai regardé le documentaire et j'ai regardé avec une personne. Et je me suis dit, attends, parce que là, le côté... très agressif de Satoshi par rapport à d'autres projets, qui d'ailleurs dit en plus qu'ils ne font que copier Bitcoin, alors qu'on a vu que maintenant des projets ont des structures différentes, etc., etc. sur plein de points différents. Est-ce que c'était voulu de votre part là-dessus d'avoir ce côté un peu méprisant de Satoshi par rapport à tous ces héritiers spirituels du Bitcoin? On va le voir après dans l'épisode 5 avec toute la hype blockchain, mais il y a eu une hype altcoins. Où tout à coup... Il y a toujours une hype altcoin. Et les gens ont vraiment copié-collé le code de Bitcoin en changeant 2-3 paramètres, et ils ont dit ça s'appelle Dogecoin, ça s'appelle Litecoin, ça s'appelle... Mais après, il y a eu comme des projets très différents, parce qu'on parle d'Ethereum, qui est le deuxième plus gros projet. Puis là, on a vu, on voit que vous scrollez sur ce qui, je pense, au moment où vous avez tourné, était le classement des valorisations de crypto-monnaies. Ouais. Mais on a vu Cardano, on a vu d'autres monnaies qui sont un peu différentes, du coup, dans leur structure. Mais tu vois, Ethereum n'a pas du tout pour objectif de remplacer Bitcoin. C'est vraiment des projets complètement différents. Donc, si c'est des projets vraiment différents, c'est pas des concurrents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans les communautés, justement, avec notamment ceux qu'on appelle les Bitcoin maximalistes, qui sont des sortes de puristes, hein, dirait-on des gatekeepers du Bitcoin, mais qui pour eux, effectivement, le Bitcoin est le projet à ce jour toujours le plus pur, le seul, le vrai, et les autres ne sont que des trucs ou spéculatifs ou des copies ou des trucs forcément moins puissants. Mais je trouve ça intéressant, ce parti pris, en tout cas dans le documentaire, d'y aller franco là-dessus. Ouais. Ouais, bah en fait, on a essayé de caractériser Satoshi en se disant son objectif, c'est quoi? C'est que son invention réussisse. Et finalement, les altcoins viennent un petit peu comme des rivales face au Bitcoin. Donc, il peut se sentir menacé, il peut croire que c'est vanité. Enfin, lui, il a refusé une fortune, il a refusé la gloire. Pourquoi est-ce que les autres viendraient... Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qu'on s'est un petit peu amusé à mettre là-dedans. Voilà. OK. À chacune son prétexte. Micropaiement, confidentialité, automatisation des transactions. La demande pour une nouvelle forme d'argent explosait. Elle allait entrer dans une dimension encore plus délirante. J'étais devenu l'observateur impuissant de ma propre invention. Moi, Satoshi. Le Bitcoin n'échappait pas au culte de l'argent, aux imposteurs, aux apostats. Et je ne pouvais rien y faire. Ma création. Un nouveau mécanisme d'échange décentralisé dont tout le monde disposait librement.
Même le système se l'appropriait. Ce système que j'avais toujours combattu. Celui qui parasite les rêves, qui avait brisé Internet. Parti d'un idéal, j'allais me retrouver face à ce que le capitalisme produit de plus monstrueux. Donc on atteint déjà l'avant-dernier épisode de la web-série ou du documentaire. People are looking at Bitcoin, seeing how it's exploding in price, and they think, oh, you know, I really missed out on this one. But I should have bought in. And then they're looking for the next best opportunity to invest in something else, to hopefully have the same price increase as with Bitcoin. And ready for those guys are the altcoins. Plus rapide, plus anonyme, moins énergivore. Tout le monde voulait recréer le Bitcoin, mais en mieux. Et au passage répliquer l'ascension vertigineuse de son cours. Début 2018, la capitalisation totale des crypto-monnaies s'élevait à 800 milliards de dollars. 800 milliards. Avec mon million de bitcoins, je faisais une entrée fracassante dans le top 50 des personnalités les plus fortunées du monde. 44e fortune mondiale. Virtuelle. In 2017, and previously to that, in 2014, we also saw the emergence of many other competing systems that are trying to capture the magic of this idea and either are genuinely trying to make new things with it or, in many cases, are fraudulently trying to capture the enthusiasm without any substance. On peut pas faire des milliers et des milliers de transactions par seconde sur Bitcoin. Et on ne peut pas programmer les transactions d'une manière très sophistiquée. Donc les autres crypto-monnaies ont essayé d'améliorer ces aspects de leur côté. Simplement, elles ont dû faire des concessions en termes de niveau de sécurité, en termes de complexité, parce qu'on ne peut jamais gagner sur tous les tableaux. This was like everyone was creating their own altcoin, launching it, you know, lots of different mining algorithms being thought of, and everyone had their own coin suddenly. J'avais appris aux gens à battre monnaie, et ils ne s'en privaient pas. Les promesses d'enrichissement immédiat pullulaient, d'innombrables projets inutiles voyaient le jour. Certains avaient même inventé un système de levée de fonds. C'est la droite, là ? Ouais. Quoi, donc c'est le Dogecoin, ça ? Il y a Dogecoin. Ah oui, il y en a eu d'autres avant. C'est BitConnect. Ah oui, je n'avais pas vu. Oh là 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 là. C'est vrai. Le Dogecoin, on me rappelle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un shitcoin. C'est vrai. Ce sont des projets presque pour le gag, mais c'est un shitcoin qui à un moment valu plusieurs dizaines de milliards de dollars en termes de valorisation l'année dernière. Donc effectivement, on atteint des sommes un peu folles. On va continuer un peu la vidéo et après s'arrêter sur ce côté justement. Est-ce que ces crypto-monnaies sont des problèmes fonds en crypto-monnaies pour créer de nouvelles crypto-monnaies? Une ICO, donc Initial Coin Offering, c'est une levée de fonds. C'est un peu comme du crowdfunding, si vous voulez, mais sur la blockchain et en crypto-monnaie. Alors, je voulais m'arrêter sur Claire, juste avant justement qu'on parle des monnaies qui s'améliorent. Je voulais faire un dernier point sur la réalisation, justement. Puisque vous voyez, pour les gens qui rejoignent l'émission ce soir et qui voient, on est à distance. Et c'est aussi une volonté de la part de la prod, puisqu'on a vu que tous les intervenants de ce web document s'adresse à leur webcam, en fait, alors qu'en fait, on se rend bien compte qu'il y a bien une caméra qui les filme, donc il y a un crew qui a dû venir les voir, etc. Mais eux s'adressent à une webcam. Et avant que Rémi me dise pourquoi tu as eu cette volonté que les gens parlent à leur webcam, je voulais te demander à Claire, ça faisait quoi d'intervenir face à une webcam alors que des gens te filmaient derrière pour que tu ne les regardes pas. C'était super bizarre. C'était super bizarre, on va pas se mentir. Parce que du coup, je devais regarder la webcam, mais tu sais, tu avais des personnes autour avec une grosse caméra à côté, tu vois. Donc, moi, je me souviens m'être demandé, mais est-ce que ça sera pas bizarre, quoi, dans le reportage. Et en fait, en visionnant le docu après, je me suis dit, bah, finalement, bon choix, et ça se, ça choque pas du tout, quoi. Donc, oui. Non, c'est vrai que on est d'accord parce que, enfin, je sais pas si dans le chat, vous pouvez, pour les gens qui ont déjà vu le documentaire, où au début vous dites, bon, c'est un documentaire qui a été fait pendant le confinement, je sais pas, les gens devaient être à distance, et puis vous dites, en fait, non, ils sont en train de les filmer, donc en fait, c'est un choix volontaire. Et après, je me suis demandé pendant tout le documentaire quel effet ça faisait, donc je suis content que Claire soit là parce que je voulais vraiment y venir, mais du coup,
Et donc, Eric, quelle a été justement la volonté pour que tout le monde intervienne sur, via sa webcam pour cet effet de style ? Rémi, hein, tu m'as appelé Eric, mais... Oh, ben pour que je dise, oui, Rémi. Non, ben oui, il y avait la contrainte Covid, parce qu'effectivement, il y a des intervenants qui sont aux États-Unis, etc. Donc, c'était on a, la production a eu lieu en 2021, donc on était vraiment dedans. Donc, il y a des intervenants pour lesquels l'équipe est sur place et moi, je suis en France. Et je pose les questions à travers le Skype, etc. Mais on a essayé de détourner la contrainte et d'en faire quelque chose qui fasse sens, étant donné qu'on fait une web-série sur un programme qui fonctionne avec le web et qui n'existerait pas sans le web. Donc, il y avait vraiment cette idée aussi, en plus d'avoir un petit côté un peu mystérieux, de se dire, mais en fait, à qui parlent ces gens et puis, qui les observe comme ça un petit peu de manière décadrée, par-dessus leur épaule, etc. Donc, ça faisait partie d'une ambiance un petit peu à la Mister Robot qu'on a voulu retranscrire, quoi, comme ça. Mais en plus, ce qui était rigolo, c'est que j'étais juste en face de Claire. Ouais. et puis, il y a d'autres intervenants où j'étais juste à côté, enfin, parce qu'à chaque fois, on s'arrangeait. Mais ça a été une histoire pour chaque interview. Il fallait... Et puis, moi, je ne savais pas forcément ce que ça... Enfin, comment allait se dérouler l'interview. Je me souviens que vous m'aviez demandé de prendre mon ordi, en me disant qu'il faudra prendre un ordi avec telle config ou telle caméra, ou je ne sais plus. Mais moi, j'avais pris l'ordi en me disant qu'il faudra que je fasse semblant de travailler pour une prise de vue, je ne sais pas. Tu vois, je n'avais pas du tout en tête qu'il allait falloir ouvrir Skype avec l'ordi. Quoi. Donc, mais c'était assez intéressant comme expérience. Et puis en fait, tu as Rémi derrière toi qui fait « reste naturel, bien sûr hein. ». Fait comme, comme si toute équipe n'était pas là, fait comme si j'étais pas là. C'est assez drôle. Et effectivement, je pense que quand on reverra ce documentaire, beaucoup plus tard, cette web-série beaucoup plus tard, je trouve qu'elle appartient vraiment à son époque, du coup, effectivement, cette esthétique de la distanciation aussi et de la culture Zoom, la culture distanciation, elle est... On verra comment on le dit. Allez, on repart et du coup, là, on va revenir au sujet qui sont bah, justement ces crypto-monnaies concurrentes du Bitcoin et aussi ce côté évolutif. Initial Coin Offering, c'est une levée de fonds. C'est un peu comme du crowdfunding, si vous voulez, mais sur la blockchain et en crypto-monnaie. En 2014, j'ai participé à une ICO, celle d'Ethereum. Eh bien, Ethereum, vous donniez un bitcoin, qui à l'époque valait 200 euros, vous donniez un bitcoin pour obtenir 2000 Ether. At that time, it was the ICO bubble, and any startup that wasn't achieving financial success immediately was looking at pivoting, including my own. We weren't going to get more funding from the VCs, and the CEO decided to pivot to do an ICO. And so I brought up with her concerns about the model of, hey, why do we need a token here? And then I quit. Plein d'entrepreneurs se sont dit, ah bah, j'arrive pas à lever des fonds de manière classique, je vais aller lever des fonds en ICO. Sauf qu'évidemment, ça marche pas comme ça. L'ICO, ça peut pas être un plan B parce qu'on n'arrive pas à lever des fonds de manière classique. Les projets souvent qui ont très bien marché avec des ICO, c'est des projets qui créent un produit blockchain ou crypto et qui vont créer une nouvelle crypto-monnaie. By the end of 2017, like, all of a sudden, every single person worked in blockchain. Like, they were like, yes, my company pivoted. Yes, I just joined a new company. Okay, I'm a designer for a new protocol. J'ai l'impression qu'on peut faire la même en 2022 avec je bosse dans le métavers ou je bosse dans le Web 3 ou... Ouais, bah évidemment, dans une site, on en parlera. C'est marrant parce que là, t'en parles. Et donc, je reviens sur le fait que toi, t'as commencé donc, entre 2015 et 2017, globalement, à vraiment être dedans. Et c'était ce moment-là où effectivement, c'était le bull run de 2007. Pour les gens qui ne savent pas, c'est le moment où c'est un nouveau sommet du Bitcoin. Et c'était la folie, comme tu t'en parles très bien, des ICO. Et c'était un moment, c'était vraiment, tu lançais une ICO, il fallait lancer une ICO, quoi. Plus que le projet lui-même, il fallait juste lancer une ICO. Effectivement, en 2017, quand il y a eu la réduction de l'émission de la masse monétaire sur Bitcoin, il y a eu ce nouvel élan. Ouais, exactement, le halving. Il y a eu ce nouvel élan au niveau des cours. Ah, attendez, une seconde. Ouais. J'ai un petit truc. Je crois que le son est muté pour Claire. Je veux bien que la régie nous fasse un petit test. Je pense que ça vient de la régie. Est-ce qu'on entend ?
Non. Eh bien, Claire, c'est le moment où tu dois faire des 1, 2, 3 bon. Paris-Bordeaux-Marseille pour voir si les gens t'entendent. C'est bon, c'est revenu. Ça a l'air bon, super. Alors, on revient du coup au moment où, effectivement, tu as toutes ces ICO qui sont en train de... Oui, et donc en 2017, beaucoup de liquidités sur le marché. Et moi, je me souviens, à l'époque, nous, on faisait du conseil plutôt aux grandes entreprises et on a vu arriver plein de demandes de gens qui voulaient faire des ICO. Plein d'entrepreneurs qui venaient nous voir en me disant « Je veux absolument faire une ICO, c'est énorme. » J'ai un super projet. Et alors, vraiment, on a tout eu, si tu veux. On a eu des mecs qui créaient, je me souviens, des réseaux de maisons de retraite en Tunisie. On a eu des boîtes de ciment. On a eu des mecs qui faisaient des vagues connectées dans les piscines. On a eu un croque-mort. On a vraiment, tout le monde voulait faire des ICO. C'est quoi le croque-mort avec la blockchain? Je ne comprends plus le truc. Mais en fait, on a vraiment eu tous les métiers que tu peux imaginer. Tout le monde voulait faire une ICO alors que ça n'avait rien à voir avec la crypto. Donc, c'est la fameuse blague de « je vais faire le Uber 2 » ou « je vais faire le Netflix 2 » ou « je serai le Apple 2 ». Donc là, je vais être le Bitcoin des croque-morts, quoi. C'est n'importe quoi. Ou même pas. Ou c'est juste, je sais pas, je suis une boîte de production sur Twitch. Ben, en fait, je vais faire une ICO parce que je veux me financer. Et voilà. Et en fait, les ICO, ça marche parce que j'ai vu 3 articles dans la presse qui m'ont dit que ça marchait et je suis convaincue que je vais pouvoir gagner plein d'argent. Ça doit être un grand moment pour débuter dans le métier quand même. Hein. C'était un grand moment. Alors, c'était difficile parce qu'il fallait beaucoup dire non aux clients alors que parfois, ils étaient prêts à te payer pour que tu les aides pour leur ICO. Quoi. Il y avait un côté un peu poulet sans tête, même du côté des investisseurs, ouais. De dire il faut que j'en sois, il faut que j'ai financé une ICO à un moment, que je sois dans la blockchain ou dans un truc. On a vu ça au début des années 2000 avec le MP3. Je me rappelle des gens montaient des startups où il y avait juste le MP3 dans le nom du projet. Et ils vendaient des startups ou des sites parce qu'il y avait juste MP3 dans le nom du projet. Il n'y avait littéralement pas de projet derrière. C'était la bulle des années 2000. Mais ça fait penser à ça un peu. Ouais, moi j'ai plutôt l'impression que c'était le mythe de l'argent facile. Tu vois, tous ceux qui se disaient en fait la ICO c'est plus facile qu'une levée de fonds. Et puis puisque moi les fonds traditionnels comprennent pas mon projet, je suis sûr que les investisseurs crypto, eux, ils vont comprendre mon projet de vague connectée dans une piscine, quoi. Et donc ça va forcément mieux marcher, alors que évidemment dans la vraie vie pas du tout. D'autant plus que techniquement c'est plus compliqué, juridiquement c'est plus compliqué. Enfin. Voilà, mais il y avait ce fantasme de lever des fonds facilement, rapidement, parce que tu avais aussi quelques gros projets qui avaient réussi, des projets purement crypto, qui effectivement, ils lancent leur ICO le 1er décembre à 8h du matin, et à 8h du matin et 5 minutes, ils ont fini leur ICO, ils ont levé 25 millions. Quoi. Ouais. Donc forcément, ça fait envie. Ben évidemment, je veux bien parce qu'évidemment on est dans un vrai safe space ce soir avec toute la communauté d'Arte, donc tout va bien. S'il y a des gens qui ont peut-être des tokens de l'époque d'ICO, mais vraiment des tokens bien foireux, qui en ont peut-être gardé quelques centaines ou quelques dizaines, voire un pour le fun, pour la collection, un peu comme le petit gamin dans Up qui a toutes ses médailles de scout. Dites-nous dans le chat vos noms de tokens les plus foireux ou d'ICO les plus foireux. Je serai très, très preneur. Aucun jugement, aucune honte. On est tous... Il y a plein de gens qui ont eu du FOMO et qui ont investi. Ça me ferait bien rigoler. On parle de... Je vais laisser voir. I was so confused. It was such a surreal experience for me because I was like, wait, just a few months ago, like I was asking people, what is this thing? And nobody knew. Une blockchain, à la base, c'est simplement une base de données, un grand registre qui va répertorier les transactions faites dans une crypto-monnaie. La blockchain en soi, c'est pas tellement révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est l'idée de consensus décentralisé. Pas de consensus sans confiance, la caractéristique principale de toute monnaie. Avec Bitcoin, cette confiance, je l'avais décentralisée, incarnée dans un programme à toute épreuve. Si j'avais réussi à rendre la monnaie autonome, à la désintermédier, pourquoi ne pas le faire avec tout? Immobilier, assurance, finance. Le potentiel de mon invention semblait infini. Finding systems that decentralize trust and that actually remove the need for trust, because you can verify you don't need to trust anymore. This is amazingly powerful. And with a bit of understanding of the philosophy behind the blockchains and what they can actually provide, you can really see how a blockchain is an incredibly powerful base layer for many other potential applications in the future. La blockchain, même pas le rouage le plus innovant de Bitcoin. Une chaîne de blocs sans décentralisation, sans minage, est peu de choses. Je n'avais jamais vu un tel emballement pour un simple terme technique. Il y a eu une hype médiatique autour des blockchains
en 2015, 2016, 2017. Et du coup, beaucoup de gens se sont fait une image un peu fausse de ces technologies. Startups had an incentive to put the word blockchain in their fundraising deck because then they could raise twice as much money. Big corporate companies like IBM, Deloitte, these massive consultancies, they were incentivized to use the word blockchain because you could sprinkle it on your company strategy. And so when anyone asked, what is your strategy for innovation? It was one word, blockchain. Encore une fois, on peut le copier-coller avec les, certains mots de buzzword actuellement de 2022. C'est quand même assez drôle de voir que tout est ainsi. Ouais, tu pourrais faire pareil avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ah ouais, il le fait juste après d'ailleurs, Andreas Antonopoulos. C'est vraiment très drôle. Ce serait drôle s'il n'y avait pas eu autant d'argent dépensé sur ce buzzword. No one knew what it meant. Everybody is so excited about blockchain that they kind of lose their minds. If you have a bicycle shop and you rename the bicycle shop, the blockchain bicycle shop, then your stock goes up in price, right? Better yet, you can also sprinkle some AI, a bit of quantum, and you've got half the startup field out there. You can say our AI quantum blockchain does something. But you. T'aimes bien faire les zooms sur ces. Sur ces Il a une manière de parler que ça marche vraiment très bien. J'ai l'impression que tous ces mots sont des punchlines. Ça s'y prête assez bien, ouais. Still haven't solved anything. Interesting. Évidemment, le terme blockchain n'a pas été promu par hasard. Il a été promu aussi en raison du caractère dérangeant et sulfureux de Bitcoin. Comme si Bitcoin représentait un tabou et qu'on avait besoin de trouver un autre terme pour parler de cette révolution en cours. In reality, when you try to apply blockchain technology to other things, you realize how intricate and how woven together all the components of a blockchain are. You can't just take out a piece, you can't just take out an engine and just hope that you can use that to go somewhere. The killer app for blockchain is cryptocurrencies. When you combine blockchain with proof of work, you get Bitcoin. Donc là-dessus, pour finir un petit peu sur cet épisode, déjà il y a un point qui est très important, c'est qu'encore une fois, beaucoup de gens, pour eux, la notion de crypto, de blockchain, ce n'est que des monnaies. Alors qu'il y a d'autres utilisations, en fait, possibles avec ça, hein, on est d'accord. Mais il y a aussi un point qui est intéressant, ce qui était, il y a des cryptos qui peuvent faire mieux, il y a des cryptos qui ont des nouvelles fonctionnalités, des projets. Et en fait, je pense que c'est un truc que le grand public n'a pas bien compris aussi, c'est cette notion que le Bitcoin, c'est un protocole qui, enfin, un projet qui s'améliore, qui continue. Il y a eu des améliorations, je ne sais pas moi, dans la vitesse de traitement, des patchs de sécurité, l'Ethereum lui-même est patché régulièrement. On efface, ce n'est pas des monnaies, en fait, c'est des. Est-ce que c'est des programmes avec des utilisations monétaires, mais c'est d'abord vraiment des programmes en fait, avec des armées de développeurs et même pour le Bitcoin d'ailleurs. Oui. Alors c'est dans Bitcoin, t'as pas forcément cette programmabilité. Oui. En tout cas, pas, enfin, de manière beaucoup moins flexible que sur d'autres. Que sur d'autres protocoles comme Ethereum. Il y a toujours des mises à jour quand même sur Bitcoin. Il y a toujours des mises à jour. Il y en a eu une cette année avec Taproot notamment. Oui. Mais tu as quand même beaucoup moins, je dirais, de mises à jour que dans les autres protocoles qui, effectivement, ont tendance à évoluer un peu plus rapidement. Bitcoin a cette particularité, je dirais, ou cette volonté d'être assez sécurisé. Et quand il y a un changement, il faut absolument que ça soit un changement bénéfique. Il faut qu'on soit sûr que le changement soit positif. Donc, il y a beaucoup de débats dans la communauté Bitcoin avant qu'un changement soit vraiment adopté. C'est évolutif, mais effectivement, les développeurs doivent vraiment se mettre d'accord. Il y a des vrais débats qui peuvent durer des mois et des mois pour adopter un changement. Parce qu'on est quand même, on parle de quelque chose sur lequel reposent des milliards de dollars. Donc, on peut plus faire n'importe quoi, et même à l'époque. Donc, c'est un protocole très solide. Et quand il y a des expérimentations, souvent elles se font sur ce qu'on appelle des surcouches. Des testnets ou des surcouches, ou sur d'autres blockchains. Effectivement, une des choses pratiques dans le fait d'avoir des sortes de copies de Bitcoin qui sont un peu des concurrents factices que Satoshi pourrait peut-être ne pas trop aimer, c'est qu'on peut tester des choses dessus avant de les tester sur Bitcoin. Ouais. Souvent, sur le Litecoin, par exemple, on a implémenté des choses en amont pour voir si elles marchaient. Je crois que c'était le cas de Segwit ou des choses comme ça. D'accord. Et donc, ça sert un petit peu de brouillon pour Bitcoin. Il y a la question qui revient quand même souvent dans le chat. Est-ce que les mises à jour requièrent l'avis du réseau pour être appliquées? Est-ce qu'il y a une gouvernance sur le BTT ou un consensus? Qui tranche le débat à la fin?
Sachant qu'aussi, il y a un autre buzzword qui arrive un peu dans l'ombre des NFT. On parle beaucoup de DAO, notamment en ce moment, ouais. Avec les Decentralized Autonomous Organizations. Mais comment ça se passe pour le Bitcoin? Pour revenir vraiment sur le Bitcoin et pas sur toutes les cryptos, sinon il va passer la soirée. Alors, tu as plusieurs communautés dans Bitcoin, mais tu as effectivement tu as les utilisateurs comme toi et moi qui effectivement achetons du Bitcoin, faisons des transactions. Tu as les développeurs qui sont ceux qui vont proposer des améliorations, qui vont produire du code. Et puis, tu as principalement les mineurs qui jouent un rôle prépondérant parce que c'est eux qui valident les nouveaux blocs de transactions et qui sont ceux qui doivent, en tout cas dans le cadre d'évolution majeure, mettre à jour le logiciel qui tourne sur leur serveur pour implémenter ces modifications. Et donc souvent, quand tu as des propositions d'évolution sur Bitcoin, ça doit être adopté. Enfin, il doit y avoir une forme de consensus déjà chez les développeurs qui proposent ça. Pour vérifier qu'on propose bien des choses positives. Et après, il faut que tu aies effectivement un consensus, une majorité, idéalement une quasi-unanimité hein, sur Bitcoin pour la potentielle mise à jour effectivement du logiciel Bitcoin. En tout cas, c'est une façon de prendre des décisions qui est très équilibrée. Il y a des acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts, mais qui veulent au final à peu près tous la même chose, mais en fait pas tellement. Et c'est assez fascinant à étudier. Et il y a un bouquin, pour ceux qui lisent en anglais, ça n'a pas été traduit malheureusement, mais il y a un livre qui s'appelle The Block Size War, et qui raconte un petit peu la période 2014-2017 où il y avait un débat parmi les bitcoiners, à savoir s'il fallait augmenter la taille des blocs ou pas, pour mettre plus de transactions. D'accord, donc ça s'appelle The Block Size War. Si quelqu'un un modo ou une modo dans le chat peut mettre le lien. Si vous avez envie, encore une fois, de vous éduquer sur la question pour votre culture G, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, à l'époque, ça avait engendré une scission hein, dans la communauté Bitcoin, puisqu'on avait vu l'apparition de Bitcoin Cash, qui était effectivement une version de Bitcoin avec des blocs un peu plus gros. Mais finalement, la majorité de la communauté Bitcoin n'avait pas vraiment suivi, hein, puisque la chaîne principale Bitcoin est restée celle sans augmentation de la taille des blocs. Il n'y a pas une histoire un peu avec, comme ça, avec Ethereum classique aussi, ou c'est une sorte c'est autre chose. Ah ouais, mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. D'accord, je connais. Le hack de DAO, dont on parlait. C'est un des arguments qui permet aux Bitcoiners de se moquer d'Ethereum. D'ailleurs. Mais c'est une histoire qui est fascinante aussi, hein, franchement. Pour une future web-série. On reprend le fil de celle-ci, déjà, avec évidemment un mot qui s'affiche à votre écran, un indice qui s'affiche sur votre écran. On va en parler tout de suite. Celui qui achevait la vie privée sur Internet. Le destructeur de monde. L'idée derrière Libra est que sending money should be as easy and secure as sending a message. Lui aussi voulait en être. De plus en plus de corporations privées adoptent les technologies blockchain, comme par exemple Facebook avec son projet Diem, ex Libra. Libra will be a global payment system, fully backed by a reserve of cash and highly liquid assets. Facebook connaît un peu trop de choses à notre propos, que ce soit en termes de centre d'intérêt, notre réseau, nos connexions avec nos proches, professionnels, etc. L'Internet des données personnelles avait été bâti sur une imposture, celle que l'exposition de soi serait gratuite et le resterait toujours. Now, I believe that this is something that needs to get built, but I get that I'm not the ideal messenger for this right now. Si Facebook se dote de sa monnaie, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui tient du financier va également être connu par Facebook. Donc on va également partager notre activité financière. L'utilisateur moyen paye le web au prix fort. Il abdique sa vie privée, sa liberté, son indépendance pour une dose régulière de narcissisme. And I feel blessed to be in a position where we can make a difference in people's lives. And for as long as I'm here, I am committed to using our position to push for big ideas that I believe can help empower people. Alors, c'est très marrant et encore une fois, le sens du timing, je ne sais pas si tu avais tout prévu, je ne suis pas complotiste, Rémi, mais on parle de Libra slash Diem et de tous les projets que Facebook avait lancés effectivement en 2018-2019. À un moment, quasiment la semaine près avec la sortie du documentaire, Facebook abandonne formellement un truc qui était déjà en train de mourir mais qui est en train de se déliter dans tous les sens, qui était ses projets autour de créer une crypto, quelque chose qui a été évidemment salué dans toute la communauté qui était très très contre ce projet, mais qui fait poser une question peut-être un peu naïve. Est-ce que justement l'esprit un peu rebelle et cypherpunk
ou Freaks, qui anime encore beaucoup la communauté crypto, pourra résister longtemps aux grandes corporations qui veulent venir croquer. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'une grosse partie de l'échec de Libra et de Diem, c'était aussi que c'était porté par justement l'anti-Satoshi Nakamoto, parce que c'est quelqu'un qui est contre la vie privée, c'est quelqu'un qui est très médiatisé, qui est très célèbre, qui incarne énormément. Donc c'était littéralement le Lex Luthor de Superman, si on est sur... C'est un Némésis, ouais. Voilà. Mais est-ce que, au-delà de l'échec de Libra, est-ce que une crypto-monnaie qui appartient, on va dire, à une grande corporation ou à un gouvernement, parce qu'on sait qu'il y a le gouvernement chinois, américain, l'Europe qui travaille sur des versions électroniques des monnaies actuelles, pourra être adoptée, ou est-ce que c'est quelque chose qui, je sais pas, je suis peut-être un peu romantique ou un peu naïf, mais ça doit rester un petit peu rebelle du venant d'une équipe un peu indépendante, sinon la communauté, les gens ne voudront pas adopter parce qu'ils diront j'ai pas quitté le système classique pour je sais pas y revenir mais en version électronique. La question elle est un peu dure. Mais... C'est un peu dur à prévoir quand même, à anticiper. Ouais. En fait, encore une fois, moi j'ai envie de dire théoriquement oui, mais en pratique il y aurait beaucoup de si parce que il faudrait que déjà, ils aient le droit, parce qu'aujourd'hui, les régulateurs sont quand même très frileux à l'idée que des grosses entreprises privées sortent une monnaie qui leur appartienne. Les régulateurs ont beaucoup de mal à lutter contre les communautés open source qui sortent des monnaies comme Bitcoin, parce que on peut pas réguler en fait une monnaie qui n'a pas d'entité juridique, pas de territorialité. Mais quand c'est une entreprise qui sort une monnaie, ça se régule beaucoup plus facilement. Donc déjà, il y a un vrai frein juridique, je pense, à l'émission de ces monnaies vraiment privées. Après, il faudrait aussi qu'il y ait une adoption par le grand public. Donc bon, il y a peut-être des questions du UX, du nombre d'utilisateurs sur ces applications qui leur faciliteraient la tâche. Mais bon, aujourd'hui, tout dépend quand est-ce que ça arrive. J'ai l'impression quand même que les crypto-monnaies commencent à être de plus en plus adoptées. Donc il y a une question aussi de course et de rapidité. Je pose la question parce que justement, quand Rémi parle notamment d'utopie dévoyée, etc., même si tout le monde va me dire dans le chat, mais de toute façon, à la fin, c'est les gros qui gagnent. On a vu que dans l'informatique des années 80, le web des années 2000, etc., c'est les gros qui gagnent tôt ou tard. Mais là, mine de rien, quand je regarde les plus gros projets de crypto-monnaie, aucun n'est porté par un institutionnel, en fait, pour l'instant. Ah non, bien sûr. C'est pour ça que pour moi, il y a une probabilité non négligeable que ce soit les plus gros qui gagnent, mais je pense que ce sera des plus gros nouveaux. C'est-à-dire que ce ne sera pas les plus gros qui sont là depuis 10-15 ans. Aujourd'hui, quand on regarde les plus grosses entreprises de la crypto, c'est des plateformes d'échange, par exemple, ou c'est des entreprises de minage qui n'existaient pas il y a 10 ans. Quand on regarde, les plus grosses stablecoins, les plus grosses cryptos, ce n'est pas des choses qui ont été lancées par des banques ni même par des GAFA. Ouais. Donc, c'est vraiment des nouveaux acteurs qui arrivent. Après, il y aura peut-être une recentralisation autour de ces acteurs-là. Hein. Ça, c'est très, très possible. Mais c'est des nouveaux acteurs. Après, juste pour relativiser l'échec de Diem, de Facebook. Enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup dit Diem est abandonné, machin. Mais en vérité, Facebook, ils ont quand même toujours leur wallet Novi. Ils utilisent un stablecoin. Enfin, pour moi, l'échec, est-ce qu'il y a vraiment un échec? En fait, ils ont réadapté leur stratégie. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je vois la même chose en fait chez plein de grands comptes. C'est qu'ils ont commencé en se disant on va lancer notre truc, on va faire notre blockchain privée avec d'autres grandes boîtes qu'on connaît bien. On va faire notre monnaie à nous. Et puis finalement, 2 ans après, ils font comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils passent sur des blockchains publics avec des outils existants, des stablecoins développés sur des infrastructures publiques. Donc c'est un cheminement, en fait, c'est vraiment un cheminement de grandes boîtes. Et tout le monde s'est dit, Facebook va faire un truc super innovant. En fait, non, Facebook a fait exactement la même chose que la plupart des grandes boîtes du CAC 40. Ah, on va dire victoire pour l'instant de la commu. Pour combien de temps encore? En tout cas, peut-être que dans un futur proche, on aura le choix entre plusieurs monnaies et qu'effectivement, les gens plus soucieux de certaines fonctionnalités iront plus vers l'une ou l'autre. C'est difficile pour l'instant de l'envisager. Et on reprend avec Facebook. On attaque la fin de cette série. C'est parti. Redonner le pouvoir aux gens. Le cynisme connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. En donnant au monde des armes pour qu'il protège sa vie privée, j'avais aussi fourni des outils à ceux qui s'accaparaient nos données personnelles. Ceux qui, assoiffés de puissance, se servaient de l'argent comme d'un outil de domination absolue. L'effondrement de la vie privée n'intervient pas brusquement.
il s'annonce par signes successifs jusqu'au point de bascule. Et nous y étions presque. Après l'entreprise la plus puissante du monde, l'État ayant le plus de velléité de contrôle sur nos vies allait se mettre à frapper sa monnaie à coups de 0 et de 1. And China's central bank is now introducing its own digital currency in a pilot program that will be first distributed across just 4 cities. This is a digital currency. It sounds a lot like cryptocurrency, like Bitcoin. Is it different? It only sounds like it in every other way, other than being a digital currency. It's nothing like cryptocurrency. It's more like Facebook's Libra, because that's also not a cryptocurrency. On attaque le dernier épisode, du coup, du mystère Satoshi. Nous, les cypherpunks, nous avions prophétisé le chaos. Un avenir sans vie privée. Un enfer. En réponse, moi, Satoshi, j'avais créé le Bitcoin. La toute première crypto-monnaie décentralisée, autonome et sans intermédiaire. L'opposé de ce que proposait la plus grande multinationale du web. Il y a deux grandes menaces à la vie privée, les géants d'Internet et les États. Eux aussi accéléraient leur projet de monnaie numérique de banque centrale, émise contre des dettes toujours aussi centralisées. Rien de vraiment nouveau. Ah si, quand même, une différence. En se numérisant, le cash allait perdre une caractéristique fondamentale, l'anonymat. Et on y revient. Les données personnelles aujourd'hui, ça a énormément de valeur, mais peu de gens en sont conscients. On utilise des applications, on interagit, on like, on tweet, on partage, on poste, et pour autant, on ne gagne rien financièrement, alors que les entreprises qui fournissent ces plateformes s'enrichissent grâce à ça. C'est un grand hold-up, plus ou moins silencieux. There are more than a billion people around the world who don't have access to a bank account, but could through mobile phones if the right system existed. Ça, c'est super pour ces applications qui vont pouvoir apprendre encore mieux à nous connaître, nous proposer plus de services, vendre et générer du profit avec ça. Mais en plus de ça, ils ont une intime compréhension de qui nous sommes. But there's a reason that we care about this. And that's because Facebook is about putting power in people's hands. Avec une monnaie centralisée, stable, adossée à des monnaies gouvernementales, Facebook n'allait pas révolutionner les échanges. Non. Juste les monétiser. La suite logique du plus grand casse que l'humanité ait jamais subi. Le pire était encore à venir. On voit que les GAFA ont envie d'avoir leur crypto-monnaie, ce qui va aussi améliorer leur pouvoir sur les gens, sur l'économie, sur la vie des individus. Et puis on voit des entités comme les États, et notamment des États totalitaires, être tentés d'avoir leur propre crypto-monnaie pour améliorer leur contrôle sur la vie privée des gens et leur contrôle sur l'économie. Et d'ailleurs, les tentations des États démocratiques européens d'émettre leur propre monnaie digitale, c'est un petit peu pour la même chose quand même. Pas de manière totalitaire comme en Chine, mais il y a quand même une logique similaire. Juste avant qu'on attaque sur d'autres points, je vais revenir sur les intentions de réalisation que tu portais, Rémi, avec toute ton équipe sur la série. La fin, elle est amère. Elle est assez amère quand même. Et justement, quand vous êtes posé la question et vous dites, OK, combien de temps on a Arte veut combien d'épisodes, comment on structure, etc. Sur la fin, donc c'est vraiment quand même, la fin s'appelle quand même l'Apocalypse Empire, avec un jeu de mots dessus, bien sûr. Et il y a un côté, alors que ça porte aussi beaucoup la parole hypothétique de Nakamoto, j'ai senti beaucoup d'amertume pour la fin. C'était voulu aussi de dire, on va terminer là-dessus un peu. Mais je trouve pas qu'il y ait de l'amertume. Enfin, on n'a pas encore fini l'épisode, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, il y a d'autres trucs plus optimistes, on va dire, mais... Voilà, c'est ça. Enfin, moi, je pense que malgré tout ce que Satoshi a traversé là dans ce parcours, quoi, c'est-à-dire l'utilisation de sa monnaie par des entités, et puis une appropriation ensuite par le monde du commerce, par les géants du web, par les États, on finit quand même sur un truc où... Il y a une lueur d'espoir, il y a cette plante-là qui grandit et qui se développe de façon un peu organique. Enfin, moi, cet épisode 6, je l'aime bien parce qu'il va vers autre chose. On est plus sur la personnalité de Satoshi. Enfin, il y a quelque chose d'un peu mythologique quoi, dans cet épisode que j'aime bien.
dans toute la série même. Un moyen de paiement qui est en train de prendre de l'importance en Europe et qui, depuis un long moment, est très, très important en Asie et notamment en Chine, c'est le téléphone mobile. En Occident, on a d'un côté Facebook, WhatsApp, ses comptes bancaires, ses abonnements à des journaux. Le modèle chinois, c'est d'avoir mis tout ensemble. Et tout ensemble dans un pays qui respecte très peu les libertés individuelles, comme on le sait. Ce qui veut dire, très concrètement, un accès à l'ensemble de la vie des personnes qui est rendu possible par le fait que tout est dématérialisé, donc tout laisse une trace électronique. Ces traces électroniques sont transformées, entre autres, dans ce que les Chinois appellent un score social, qui est une note fabriquée à partir de toute une série de comportements que ces applications mettent ensemble, notamment les comportements d'achat, mais pas seulement. Et ce score social a des effets très concrets sur votre vie de consommateur. Certaines choses vont vous coûter plus cher que d'autres. Vous allez arriver à l'aéroport et on va vous dire « Ah non, vous êtes interdit de monter dans l'avion parce que vous n'avez pas payé une amende ou autre. » Ces petits moments, on dirait Black Mirror. Donc là, on voit vraiment Il y a de ça là-dedans. En fait, le côté un peu paranoïaque de Satoshi, c'était quelque chose qu'on a vraiment, un fil qu'on a vraiment tiré. Allez, on reprend. Très important sur la vie privée, sur les libertés individuelles, si ces outils techniques sont utilisés à des fins de surveillance. Leur puissance se construit au prix de vos libertés, de votre vie privée. Une monnaie numérique d'État ultra-centralisée, opaque, traçable, qui se servirait de vos données contre vous. Exactement ce que nous, les cypherpunks, avions craint. Le cauchemar. C'est une chose d'anticiper la fin de la vie privée. C'en est une autre de la vivre. What's surprising isn't that China is building a totalitarian financial surveillance system. They are a totalitarian society. What is surprising is that European authorities and American authorities and Japanese authorities are also considering and in some cases gleefully anticipating the eradication of cash and the ability to do surveillance and control of all financial payments from every point to every point. Le totalitarisme des nations se mesurait maintenant à l'aune du degré d'avancement de leur monnaie numérique. Car une transaction électronique reste une transaction traçable, dangereuse pour la vie privée. Et donc le moyen de s'en sortir, c'est de commencer petit à petit à adopter des applications qui sont open source, des applications qui sont respectueuses de la vie privée, des applications qui sont transparentes. Open source technology means that the software itself is composed of codes that can be openly inspected by everyone and in a collaborative and public fashion that is very, very transparent. That's something really beautiful. In addition to being open source, Bitcoin has this collaborative development system. In Bitcoin, what we're aiming to do is have a decentralized decision-making system so that it's a community that decides, okay, what goes in? What changes get made? What shouldn't we do, etc. And anybody can participate. Anybody can propose what they think is good changes. That said, it is a very specific, complex piece of technology. So the people you are working with, collaborating with, and in some cases even competing with, are world-class cryptographers, world-class software engineers at the top of their game. La disparition de Satoshi Nakamoto fait qu'il n'y a aucune figure d'autorité, aucune figure centrale vers laquelle on peut se retourner en cas de problème ou pour prendre des décisions difficiles. Ça crée une indépendance et une valeur pour le réseau Bitcoin que d'autres protocoles n'ont pas puisqu'on connaît leur fondateur. Donc là, on revient sur le point dont tu parlais, Claire. We don't know if Satoshi Nakamoto is a name by one person or if it's the name of a group of people working together.
connaissant le processus d'imagination, surtout dans ces domaines-là, il faut une discussion. C'est aussi un élément interne. Il faut avoir un débat et il faut aussi avoir une stratégie. Comment est-ce qu'on va lancer ça, etc. There seems to be a strong voice that comes through clearly in the communications of Satoshi Nakamoto, and there may have been other people doing other aspects, like, for example, writing software, which also has a very strong personality to it, writing the white paper, which has a slightly different personality to it. Peut-être que c'est possible qu'il y ait un petit génie qui a imaginé ça, mais c'est plus vu de l'extérieur et vu l'expérimentation. L'œuvre d'un petit groupe très déterminé et compétent. Je n'ai rien à voir avec l'image que vous vous êtes fait de moi. Rien. Par touche, j'ai dessiné un portrait déformé et flou, aux antipodes de ce que je suis en réalité. J'ai 40, 50, 60 ans. Je suis une femme, un homme, une intelligence artificielle. J'ai agi seul, à plusieurs. Quelle importance ? Le Bitcoin est collectif par essence. La suite logique de plusieurs dizaines d'années de recherches faites par d'autres que moi. Bitcoin a été codé à 10, à 100, à 1000 claviers. Encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'il grandit. Il y a 12 ans, Bitcoin, c'était quelques personnes autour d'un white paper qui lance un protocole. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est des milliers de nœuds, des mineurs, des centaines de milliers de personnes, voire des millions qui possèdent du Bitcoin, et surtout aujourd'hui des entreprises qui investissent dans Bitcoin. Donc le chemin parcouru est immense, et surtout ce qu'on voit, c'est que ça accélère. What we're talking about this year is serious investors adopting Bitcoin. We're seeing big banks coming out, saying officially that you know, Bitcoin should be part of a portfolio. C'est le petit point justement. J'ai l'impression sur le fait qu'on ait des avis différents sur ce dernier épisode, ou est-ce que la fin est amère, ou est-ce que, comme tu dis, il a peut-être planté quelque chose qui est en train de pousser. De ce que moi j'ai ressenti en regardant le truc, c'est que je me suis dit, que je sois pro-décentralisation, pro-centralisation, pro-anti-régulateur, pro-anti-libertarien, j'ai l'impression que la réussite du Bitcoin à la fin, c'est quand même que justement les grandes entreprises, les régulateurs, les gouvernements l'adoptent ou s'en inspirent. Mais est-ce que du coup c'est... Tu vois, je suis partagé. Est-ce que c'est une victoire ou pas que finalement sa sorte de crédibilité ou son adoubement, c'est qu'enfin les gens qui le détestent en fait l'adoptent, l'utilisent ou... Ouais, c'est un peu ça en fait. Si on se dit l'objectif du personnage c'est la réussite de sa monnaie, c'est l'adoption globale de sa monnaie, le fait que les États, que les grandes entreprises, que tout le monde l'adopte est une plus ou moins une réussite. Enfin, ça va dans son sens quoi. Et d'ailleurs, on n'en parle pas dans le documentaire, mais le fait que le Salvador aussi déclare que voilà, le Bitcoin est une monnaie légale, ça va plutôt dans le sens de Satoshi. En fait, moi, je trouve que dans ce dernier épisode, et on le voit quand il commence à lâcher prise, le personnage de Satoshi, il commence à dire, voilà, peu importe, au final, de toute façon, je le savais, en mettant à disposition ce truc-là, je savais que des acteurs que je kiffe pas... trop, aller l'adopter et aller l'approprier. Ouais. Donc, moi, de toute façon, j'ai choisi de disparaître. J'ai plus vraiment mon mot à dire. Mm-hmm. Voilà. Ouais. On verra ce qui se passe. Et surtout, si tu veux, je pense que ce qui compte, enfin, ce qui comptait pour Satoshi Nakamoto et pour les cypherpunks au départ, c'est que les gens qui ont besoin de Bitcoin puissent continuer à l'utiliser. Oui. Et ça, en fait, même si tu as des entreprises qui l'utilisent, même si tu as des États qui l'utilisent, en fait, les gens qui en ont besoin pourront toujours utiliser Bitcoin, et je pense que c'est ça le plus important, en fait. Est-ce que toi, justement, les interlocuteurs que tu as sont aussi des interlocuteurs qui ont changé ? Beaucoup de gens disent que, justement, 2020-2021, c'était l'institutionnalisation, l'adoption par par les gouvernements, les grandes banques, les grands players aussi des crypto-monnaies. Oui, alors, moi, en fait, souvent, dans les entreprises avec lesquelles je travaille, il y a toujours... un monsieur ou madame crypto dans l'entreprise. Il y a toujours des gens en fait, qui sont fans, qui ont découvert ça en même temps que nous, ou un peu avant, un peu après, et qui essayent de porter le sujet en interne. Mais effectivement, ce qu'on a observé ces deux dernières années, c'est une sorte d'assouplissement en interne dans les entreprises
sur le mot crypto et sur la possibilité de faire de la crypto. Parce que ce qui se passait avant, c'est que quand je sais pas, tu bossais dans une grande banque ou chez un assureur ou dans une boîte d'immobilier, j'en sais rien, et que tu disais « je veux faire de la crypto », tu avais probablement ton chef qui te regardait un peu bizarrement, tu avais tes collègues qui se disaient « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Tu n'étais pas forcément bien vu et tu avais l'impression de devoir prendre des risques. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple. Si tu es dans une entreprise et que tu dis « il faut qu'on fasse de la crypto », tu passes pour la personne assez innovante et qui pousse son sujet. Et tu passes pas pour un espèce d'énergumène, donc c'est quand même ça a beaucoup évolué. Et je pense que c'est surtout la politique. Exactement, c'est la politique interne des boîtes qui s'est complètement reformée autour de ça. Très bien. Allez, on finit le dernier épisode. That's big news, you know. That's actually very serious. We've got private companies buying very large amounts of bitcoins, like hundreds of millions or billions of dollars worth of bitcoin, and calling it an investment into the future. I think the next type is going to be finally, more consumer adoption. It's already money. It already works. You can use it. If Bitcoin is to succeed, we might see this play out during our lifetime, but it should last far, far beyond. Let me assure you, this thing has not yet happened. Right now, it's difficult to use, it's complicated, it's understood by a tiny fraction of the human population, and it will change the world. Le Bitcoin est apatride, mais il a son armée d'ordinateurs, de développeurs, de mineurs, d'utilisateurs. Ne cherchez pas à couper les têtes de l'hydre. Il y en a trop et elle repousserait toujours. Et puis, comment feriez-vous disparaître les milliards qui circulent sur notre chaîne? La disparition de Satoshi, c'est finalement la dernière touche à l'œuvre de Satoshi Nakamoto. Le Bitcoin, si Satoshi Nakamoto existait et qu'on connaissait son identité, il n'aurait pas le potentiel et l'impact qu'il a actuellement et qu'il aura dans l'avenir. C'est un petit peu comme la touche finale sur une œuvre d'art. There are people who essentially worship Satoshi. And if Satoshi wasn't anonymous, then they would be worshiping an individual who, no matter what that individual said or did, would be disproportionately influential in this project. So I think it's brilliant and powerful that Satoshi stayed anonymous. En termes de symbole, le fait qu'il y ait une sorte de quête du père, qui est un créateur un peu divin, ça contribue à créer une forme de mythologie, de mythe de Bitcoin. Or, les mythes ont une utilité pour donner du corps aux choses, et notamment pour une chose aussi virtuelle. Although in my heart, I would love to know. I in my brain, I really hope we never find out who this individual or group of individuals was. Aujourd'hui, je ne suis pas loin, sous une autre forme, un autre alias. Je code toujours pour protéger la vie privée. C'est ce que font les cypherpunks. Le Bitcoin s'étend de plus en plus, inévitablement. C'est une monnaie, mais aussi un actif financier, une réserve de valeur et un outil spéculatif. Vous croyez le saisir, il vous échappe. Moi, Satoshi, j'ai juste voulu créer une alternative aux banques, aux États, aux entreprises géantes et sans visage. La liberté se doit d'être conquise et reconquise sans relâche. C'est pour elle qu'on se bat. Et voilà, du coup, on va laisser tourner un peu de générique. Et je vais en profiter pour aussi un résumé aussi de la pensée de beaucoup du chat. C'est que même si les gens sont extrêmement, extrêmement, on va dire, partagés sur plein de points, sur c'est bien, c'est pas bien, ça pollue pas, pyramide de Ponzi, liberté totale, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que cette web-série est évidemment une réussite qui est assez incroyable, avec un parti pris très fort. Et on a vu aussi notamment l'audience du Mister Satoshi à l'origine du Bitcoin qui a cartonné, pas que sur YouTube, hein, je crois que c'est un des plus gros succès chez Arte, qu'on peut aussi féliciter parce qu'Arte produit quand même des très très bons projets et c'est un mec qui bosse pour un autre groupe média qui le dit, donc voilà. Et donc déjà, félicitations, c'était vraiment très cool, c'était vraiment encore plus cool évidemment de le revoir avec vous deux pour que vous nous donniez des petits secrets de quiz. Et là, alors, on était censé tenir 3 heures. J'ai un truc où j'ai tendance à aller au bout de ce que j'ai droit d'avoir, sachant qu'on a commencé l'émission à 20h42, on va dire qu'on a le droit de pousser jusqu'à 23h42.
pour parler de sujets très brièvement, hein, comme l'écologie, l'avenir du monde et des NFT en 14 minutes. Mais voilà, en tout cas, déjà, le chat est très content. J'avais déjà une question. On va essayer d'aller un peu plus vite sur les réponses là-dessus, puis après, on va essayer de faire d'autres sujets. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis la sortie et la diffusion de cette web-série il y a quelques semaines maintenant ? Claire, peut-être toi qui justement baigne dedans non-stop, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ou pas, sachant que tu es déjà une figure assez connue de la commu crypto en France? Ouais, alors pour moi, ce que ça a changé très concrètement, c'est que il y a un super documentaire de 6 fois 10 minutes, 1 heure, que je peux envoyer à plein de monde. C'est vrai. Et qui propose une vision vraiment super originale. Donc, que je peux envoyer à mes clients, qu'on peut publier sur les réseaux. Et je trouve que c'est vraiment un outil de vulgarisation qui nous manquait avant. Mm-hmm. Tu vois, il y avait des conférences sur les cryptos, il y avait des conférences sur Bitcoin, mais qui étaient assez techniques. Mais on n'avait pas de vrai documentaire abouti sur Bitcoin, notamment avec cet angle idéologique. Donc ça a beaucoup aidé. Après, comme c'est Arte, forcément, tu as des retombées. Je me souviens que dans les 2 semaines qui ont suivi, j'ai quand même eu... Je crois que j'ai battu le record de demandes en contact LinkedIn, gens qui posent sur Twitter. Il y a eu quand même pas mal de trucs comme ça. À toi, les petites ICO pétées de 2022. Ouais. Et après, concrètement, nous, pour l'équipe chez KPMG, c'est vrai qu'on a eu pas mal de missions aussi orientées stratégie crypto, mais je pense que c'est lié aussi à la maturité de l'écosystème et pas simplement au documentaire. Quoi. D'accord. De ton côté, Rémi, pour toutes les personnes qui ont bossé avec toi sur cette web-série, est-ce que du coup t'es le mec à qui on parle de crypto tout le temps maintenant dès que tu crois que t'es dans un bar ou au repas de famille? Non, ça va, parce que de toute façon je parlais du projet, ça fait 4 ans que j'y bosse, donc j'en parlais moi-même des cryptos, donc voilà. Avec l'équipe, on est ultra content en fait qu'il y ait eu cette réception à la fois dans le milieu crypto, qui est un milieu très exigeant aussi sur le contenu qui est fait. Donc ça, c'était super, mais aussi dans des médias plus généralistes. Enfin, on a eu des super articles dans Le Monde, Télérama. Enfin, c'était vraiment. Je pense qu'on n'aurait pas pu. Moi, j'aurais pas pu espérer mieux comme réception. Et puis voilà, je suis super heureux d'avoir... En fait, j'ai réalisé un peu un petit rêve de gosse en mélangeant une fiction avec un documentaire et puis des thèmes que je trouve assez importants et forts. Très bien. Juste une petite question de notre truc dans le chat qui est drôle, mais qui raconte un truc bien. Qui va faire le contre-reportage en approfondissant les vrais arguments contre le Bitcoin chez Arte? Parce qu'évidemment, encore une fois, comme Rémi dit souvent, vous avez fait le parti pris d'être dans la peau de Satoshi. Et plus généralement, question qui est un peu dans le prolongement de ce petit troll rigolo, est-ce que du coup, il y a une envie de produire d'autres contenus autour, tellement qu'il se passe de choses, tellement que, comme vous le dites, il y a d'autres projets hyper intéressants, il y a d'autres choses qui se passent du côté des États, la notion de l'argent devient hyper... On se rend compte qu'on peut raconter l'argent de manière passionnante. Il y a ces histoires de NFT, de Web3. Est-ce que tu as de la suite dans les idées là-dessus? Pour l'instant, tu digères tranquillement ça, c'est la fin de Non, cet non, j'essaye là de travailler sur d'autres sujets, toujours un petit peu dans cette sphère-là, parce que voilà, comme on t'a dit tout à l'heure, comme on s'est dit tout à l'heure, il y a des histoires complètement dingues qui sortent toutes les semaines, et parfois tous les 2 jours. Donc, non, c'est vraiment un secteur que j'ai envie de suivre et des thèmes aussi qui sont importants à traiter encore. Quoi. Justement, du coup, on va faire un des points importants auxquels tout le monde parle, qui d'ailleurs, si je ne m'abuse, en 2021 était plus recherché que le terme Bitcoin, finalement, sur Google. C'est évidemment le terme de NFT, auquel je pense que vous en entendez beaucoup parler. Et que si vous êtes intéressé, vous entendez beaucoup parler. Si vous ne vouliez pas vous intéresser, Rémi et Claire, vous entendez quand même beaucoup parler. Est-ce qu'on peut faire un petit point, parce que les gens en parlaient un petit peu, sur cette notion de token non fongible qui se base sur des technologies similaires. En fait, pas mal de technologies, on va dire, et de fondamentaux similaires au Bitcoin pour des usages, plein d'usages, mais dont un est très connu, qui est en ce moment notamment l'échange d'images ou d'objets d'art. Et qui, j'ai l'impression, cristallise énormément de réactions extrêmes des deux côtés.
tout comme on a des crypto-maximalistes, on a des fans de NFT, comme on a des anti-NFT, c'est un peu la folie. Est-ce que vous avez suivi ça déjà tous les deux, ouais. assez près Oui, pour parler de mon côté, forcément, nous, on a... Il y a plein d'individus qui parlent de NFT, mais nous, on a des clients, grandes entreprises qui veulent faire des NFT, donc forcément, on s'y intéresse depuis longtemps, puis notre métier, c'est de faire de la veille aussi là-dessus. Oui. Très clairement, moi, je vois une forme de hype aujourd'hui sur les NFT, comme il y en a une sur le mot blockchain, comme il y en a une sur les ICO, avec une forme d'irrationalité aussi dans l'achat de NFT. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une vraie utilité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des NFT qui sont intéressants, mais c'est toujours pareil, quand tu as une hype, c'est toujours très difficile de distinguer, de faire le tri entre ce qui est intéressant et ce qui est du grand n'importe quoi. Après, en termes d'image, moi, j'ai l'impression que le NFT, c'est devenu le truc aussi pour les boîtes qui se disent en fait, la crypto, c'est toujours un peu politiquement compliqué, mais les NFT, ça a l'air marrant. Et tu vois, c'est la crypto, mais sans le tabou ou le problème d'image. Ouais, c'est intéressant. Parce que c'est le côté usage grand public qui est rigolo, qu'on peut matérialiser. On voit des images. Donc même si c'est virtuel, tu peux visualiser quelque chose peut-être plus facilement qu'avec un Bitcoin ou un Ether. Donc il y a ce côté-là. Et puis après, je pense, l'entrée de nouveaux milieux aussi dans le monde de la crypto par les NFT, notamment le milieu de l'art, qui ne s'intéressaient pas forcément à la crypto jusqu'ici, qui là, en découvrant les NFT, a trouvé un moyen de se monétiser, notamment pour certains artistes qui ont émis des NFT en monétisant leur travail comme ça, et donc qui entrent dans la crypto par les NFT. Ouais. Mais c'est marrant parce que dans un des premiers épisodes du Mr. Satoshi, justement, on explique qu'un des intérêts, c'est que tu as trouvé la parade au copier-coller, en fait, au clonage infini, et donc au manque de valeur, là où la valeur, c'est aussi la rareté, et la non-fongibilité. Non, mais les NFT, ce sont des cryptos, hein. Ce sont des tokens uniques qui circulent sur des blockchains publics, alors pour la plupart d'entre eux, sur la blockchain Ethereum, même s'il y en a sur d'autres blockchains. Donc ce sont des cryptos, c'est juste qu'on ne dit pas le mot crypto quand on parle de NFT, mais c'est exactement la même chose. Donc, faites comme Claire, vous dites c'est le moment, c'est le grand bordel, je vais peut-être me lancer là-dedans. Et comme elle s'est lancée à l'époque des ICO, là c'est les. Un peu avant, nous, un peu avant. Rémi, de ton côté, toi. Je partage assez ce que vient de dire Claire. Enfin, je pense que c'est un petit peu similaire à la folie qu'il y a eu sur les altcoins ou avec la technologie blockchain ou sur les ICO. On a 90% de projets qui sont assez. Douteux, inutile et douteux, ouais, pour ne pas dire douteux. Et effectivement, si à la base votre projet, si votre NFT n'a pas une utilité, si votre crypto-monnaie n'a pas une utilité réelle, ne résout pas un vrai problème qu'on rencontre dans le monde informatique ou sur Internet, ça va tendre vers zéro, fatalement. Si c'est juste pour avoir une photo de profil, ça. C'est pas très convaincant. Après, pour des utilisations en jeu vidéo ou que sais-je, enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est quand même une technologie qui est extrêmement jeune. On peut imaginer des applications à venir qui pourraient fonctionner. Je sais pas, des tickets de concert, des accès privilégiés pour tel ou tel contenu. Ça peut fonctionner parce qu'effectivement, on a une preuve. Ça pourrait fonctionner aussi avec la cryptographie asymétrique, tout simplement. On pourrait juste signer quelque chose. Ça pourrait être un token même fongible. Tu n'es pas obligé d'être sur un NFT. Enfin, bon, mais après, il y a quelque chose que je trouve, moi, très, très problématique avec les NFT, c'est les plateformes sur lesquelles on... finalement, vu qu'il y a défrayé un peu la chronique en ce moment avec le PDG de Sen.com qui vient d'arrêter la vente de NFT, je crois, pas plus tard. Ouais, et puis OpenSea qui a eu quelques soucis quand même. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous possédez un NFT, vous possédez finalement le certificat qui se rapporte à une œuvre numérique. Mais si cette œuvre numérique est stockée sur un serveur centralisé, il n'y a pas. Je vois pas l'intérêt. Oui, en fait, c'est quasiment... Est-ce que c'est pas antinomique C'est pour ça que les bonnes pratiques sont plutôt de faire du stockage décentralisé avec les NFT, mais évidemment, les bonnes pratiques ne sont pas toujours respectées. Et on est d'accord que, encore une fois, là, on parle de NFT et que tout le monde parle naturellement de galeries d'art et de création de rareté de certificats autour d'images. On est d'accord qu'encore une fois, les NFT ont plein d'usages différents aussi.
sur la traçabilité ou l'industrie ou l'agro et pas forcément la collection d'images ou de certificats d'une URL, quoi. Non, tu peux imaginer effectivement plein de trucs, mais tu vois, par exemple, si ta problématique en tant qu'entreprise, c'est, je sais pas, de tracer des sacs à main, par exemple, de la tannerie jusqu'à ton magasin, tu peux le faire de plein de manières, tu vois. Tu peux faire des NFT, mais tu peux aussi avoir un système d'information tout à fait classique avec ta traçabilité, tes fournisseurs, et rien ne garantit a priori que les NFT sont la meilleure solution. Ou alors il faut trouver quelque chose d'un peu augmenté pour se dire le NFT il va circuler ensuite entre les mains des clients et les clients vont pouvoir faire quelque chose de ce NFT. D'accord. Tu vois, c'est pas la baguette magique. Ok. Bon, on se donne rendez-vous dans 4 ans pour le deuxième documentaire. Il y a 5 ans, j'étais naïf. J'imaginais pas que on en serait arrivé là. Et effectivement, je pense que là-dessus, on est au tout début et que ça part un peu dans tous les sens. C'est clair. Il y a beaucoup de hype, comme tu le dis très bien, Claire. Il y a comme quelque chose, j'ai l'impression, tu vois, comme quelque chose de tangible où je me dis qu'il y a un potentiel aussi qui est intéressant. C'est, comme vous dites aussi, un peu comme le Bitcoin, c'est à la fois technologique, politique. Il faut avoir la chance d'avoir un très bon projet, d'arriver à un très bon moment, que tout s'enchaîne, un peu comme le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin aurait explosé s'il n'y avait pas eu la crise financière de 2008 et tout le, comme tu racontes bien dans le webdoc, le contexte qui fait que des gens n'avaient plus confiance dans un système et étaient peut-être plus ouverts pour en avoir d'autres. Et c'est un moment où, du coup, le cypherpunk avait plus de puissance. Beaucoup de questions là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que là, les NFT, j'ai l'impression que il y a beaucoup d'argent qui est déjà échangé, mais effectivement, il n'y a pas vraiment de projet, en fait. Il y a des projets NFT, effectivement. Oui, bien sûr. T'as plein de projets NFT, mais t'as pas un projet prédominant. Ouais. Je voulais pas, effectivement, un projet avec un grand P, un peu comme l'approche du web documentaire, où effectivement, à aucun moment, on se dit, OK, il y a une hype sur la monnaie, et moi, Satoshi Nakamoto, j'ai fait un truc de ouf. tu vois, il y avait un côté, genre, j'ai envie d'envoyer valser ce système, et j'ai l'impression que les NFT, il n'y a pas cette notion. Il y a beaucoup moins d'idéologie. Oui, ouais. Puis, il y a une recréation d'un système qui existe déjà, spéculatif et de choses comme ça. Voilà, puis technologiquement, un NFT, tu vois, c'est un standard de programme sur une blockchain. Ça n'a rien à voir en termes d'innovation technologique et économique avec la création de Bitcoin ou même la création d'Ethereum en tant que tel. OK. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais attention. Vraiment attention parce que le FOMO et la hype sont vraiment complètement délirants et j'ai l'impression que dans les années où des stars font n'importe quoi, promeuvent des projets à droite à gauche. Non mais c'est vrai qu'il y a un côté dans toutes ces périodes de bullrun, il y a un côté casino géant qui est un peu tentant pour les nouveaux investisseurs. Et donc il faut vraiment essayer de garder la tête froide, d'être rationnel, d'investir un peu chaque mois plutôt que de mettre toutes ses économies dans un projet de NFT un peu obscur. Parce que le jour où ça s'effondre faites attention, du tout. Dernière question un peu énigmatique. Est-ce que autour de toutes ces technologies, le capitalisme est quand même vraiment très, très au centre de tout cela, quand même que s'ils ne le veulent pas? Est-ce qu'il peut y avoir des projets autour de la blockchain, de la décentralisation / cryptographie, sur des tokens ou pas des tokens, mais qui peuvent réussir sans être touchés ou influés ou récupérés par le capitalisme? On vit dans un système capitaliste, donc c'est un peu compliqué de répondre à ta question parce qu'aujourd'hui, quasiment tout est dans le système capitaliste. Même quand tu montes, une entreprise à mission, tu es quand même toujours rattrapé par le capitalisme. Oui. Donc, même si tu montes une crypto-monnaie qui a, un objectif un peu alternatif. Comme le Bitcoin Bien sûr, comme le Bitcoin à la base, mais... le Bitcoin est quand même issu d'une idéologie qui est à la frontière entre l'anarchisme et le capitalisme. Tu vois, le Bitcoin n'est pas complètement en marge du capitalisme non plus. Tu essayes de créer une crypto-monnaie qui est en dehors du capitalisme, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler, mais j'imagine que théoriquement, c'est possible. Oui, tout est possible. Mais toute la difficulté, c'est de la créer sans être rattrapé par le capitalisme dans lequel on vit. Plot twist, tu viens peut-être de pitcher l'idée du prochain truc énorme. Dans un petit live Twitch à 23h38. Je vais faire mon slide deck en rentrant à la maison.
Et dernier petit point, je sais, franchement, il nous reste 4 minutes, ça va très très vite, mais il y avait aussi beaucoup de points sur l'écologie, évidemment. Ouais. Très grand sujet. Donc, évidemment, toutes les discussions qu'on a avec Claire et Rémi ce soir, on vous invite à aller faire vos propres recherches, comme on dit souvent là-dessus, développer. Mais il y a un grand point de est-ce que quelque chose d'aussi moderne, mais en même temps d'aussi à l'encontre des valeurs écologiques qui sont très importantes ces dernières années, peut aussi réussir. Est-ce que le Bitcoin est vraiment quelque chose qui est à contre-courant de tout cela? Est-ce qu'on peut le sauver ou se sauver de ça? Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce que c'est inhérent au... Je pourrais parler de ça pendant des heures, mais je pense que le point le plus important en fait sur l'écologie, c'est que vraiment une fois qu'on tire le fil et qu'on creuse le débat, le vrai point fondamental, c'est la conviction des gens qui en débattent sur l'utilité de Bitcoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas grand-chose qui est fondamentalement écologique dans les activités qu'on a au quotidien. Et donc la vraie question, c'est celle du rapport entre l'utilité de ce qu'on fait ou le bonheur que ça nous procure, j'en sais rien. Par rapport à ce que ça coûte en termes de, je sais pas, d'émissions de CO2 ou de dégâts écologiques pour la planète. Tu vois, là, on est en train de tenir un live Twitch. Forcément, il y a des dégâts écologiques directs ou indirects. Mais voilà, on n'est pas en train de se poser la question de est-ce que c'est bien ou pas bien pour l'écologie, même si on pourrait se la poser. Et en fait, derrière Bitcoin, souvent, quand on creuse le sujet, ceux qui viennent opposer l'argument écologique que j'entends tout à fait... sont en fait ceux qui sont le moins convaincus de l'utilité de Bitcoin. Parce qu'une fois que tu es convaincu de l'utilité de Bitcoin... Et que ça bouge. Voilà. Okay. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'ils vont te dire, c'est en fait, même si Bitcoin consommait presque rien, ça serait toujours trop. Si Bitcoin consommait que du renouvelable, ce serait toujours trop, parce que c'est inutile. Et en fait, le truc, c'est que quand on comprend à quel point Bitcoin est utile, quand on comprend à quel point Bitcoin, c'est un modèle alternatif, ça permet de préserver la vie privée, ça permet aussi à des gens qui ne sont pas bancarisés d'accéder à un système financier, etc. En fait, on est convaincu que Bitcoin a sa place dans les services indispensables dans une société. Et que Bitcoin a une valeur sociétale. Son empreinte carbone, son empreinte écologique, elle est justifiée, du coup. Voilà, elle est justifiée, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus. Hein, parce qu'évidemment, les mineurs qui sont sur les centrales à charbon, c'est inadmissible, personne n'a envie de ça, personne ne veut continuer ça. Donc c'est aussi une industrie qui travaille là-dessus. Les mineurs ont bien compris, ils ont énormément de pression sur ce sujet-là, ils ont bien compris que c'était vraiment dans leur intérêt d'aller vers les énergies vertes, et que c'était aussi l'énergie, paradoxalement, mais l'énergie la moins chère. Donc dans les faits, ils y vont. Et après, je voulais rebondir aussi sur ce que Claire dit. Je pense que c'est un peu injuste qu'on fasse ce procès-là à Bitcoin, dans le sens où c'est plus une question de projet de société. On est dans une société du tout numérique qu'on a plus ou moins accepté ces dernières années. À un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas se poser globalement la question de comment on se positionne par rapport à ça par rapport à l'écologie? Certains le font d'ailleurs, tu regardes le Shift Project, etc. Il y a des réflexions globales sur l'empreinte du numérique et effectivement, Bitcoin et les cryptoactifs en général doivent en faire... C'est vrai que le numérique a ceci de difficile que sa pollution n'est pas visible, là où la pollution d'une voiture est vraiment, elle est palpable devant nous. Tu la sens dans la rue. Tu l'entends, tu la sens. Et effectivement, nous, aujourd'hui, la pollution du numérique qui existe, encore une fois, et comme vous le dites, est-ce que le numérique est assez utile? Est-ce que pour ce qu'il fait, il est plus économe que d'autres solutions, etc.? Je ne sais pas, le courrier ou la poste ou le système financier fiduciaire. Mais c'est vrai que ce qui est dur, c'est que la pollution numérique, elle est pas visible, donc elle est difficilement palpable, finalement. Et que c'est la première fois, je crois, avec le Bitcoin que les gens se représentent autant une sorte de métaphore de la pollution numérique qui sont les serveurs de Bitcoin, plus quasiment que... Enfin, les data centers existent depuis des années, les tirages de câbles, les ondes et les machins. Mais ça a toujours été un côté un peu pervasif. Oui, mais parce qu'ils l'utilisent pas. C'est le container de serveurs qui font du bruit, quoi. Oui, mais parce qu'ils ne l'utilisent pas. Tu vois, quand tu vois des serveurs, effectivement, qui minent dans un conteneur et que c'est finalement pour un protocole, pour une monnaie que tu n'utilises pas et que tu te dis « mais à quoi ça sert ce truc ?» Enfin, c'est normal de se demander ça, tu vois. Mais une fois que tu comprends à quoi ça sert et le projet de société qu'il y a derrière, Il faut adhérer au projet de société, parce que tout le monde n'adhère pas à ce projet de société. Bien sûr, Effectivement, si vous ne croyez pas au Bitcoin, forcément, ça ne change pas beaucoup. Ça débat beaucoup, évidemment, dans le chat. Ça tombe bien, parce qu'il est 23h43. On peut vous laisser débattre. Dans un sens du cliffhanger... J'espère que je suis à la hauteur de Rémi. On va terminer l'émission. T'as une archive ou pas? Oui, évidemment, le replay est disponible sur la chaîne de
Twitch d'Arte pendant quelques semaines, donc profitez-en. C'est le moment de vous remercier, évidemment. Merci, merci Rémi, merci Claire d'être venu, d'être associé Sociétar. C'était passionnant. On aurait pu rester bien plus longtemps encore, je sens. Oui, bah ouais. Oui. Merci à toi, merci beaucoup là, pour l'animation, à tout le monde en régie. Là, on peut remercier évidemment les gens qui ont produit ce doc avec toi Rémi, donc Igal Cohen, Léonine Schmidmer aussi. Schmidmer, oui. Rose Player, voilà. Daniel Capdamov, Julie Guenet. Ouais, y a tellement de gens. Julie Guenet, ouais, tout à fait. Mathilde Anguy. On peut aussi remercier bien sûr toutes les personnes qui ont bossé sur ce live, que vous n'avez pas vu, qui sont derrière l'écran et qui se sont battus pour essayer d'avoir du son dans un sens et pas dans l'autre. C'était cool. Paul, Fass, Sabrina, Jérémy, Pierre, Isabelle, Laura, merci beaucoup à vous. Merci aux modos, bien sûr, dans le chat, qui ont géré un chat comme prévu, qui est un chat passionné. Mais ça a été, je trouve. Pour un chat passionné, ça a été, voilà, 2-3 oeils au beurre noir, mais pas de mort. Franchement, la discussion autour du Bitcoin et du NFT, j'ai envie de dire, on s'est mis bien. Merci beaucoup à Twitch France de nous avoir soutenus en mettant en valeur cette émission. Demain, il y aura d'autres émissions, évidemment, sur la chaîne d'Arte. Moi, je retournerai chez le numérique. Il y aura notamment Yacine Bellous qui sera en émission sur Arte, donc ça va être vraiment bien. Vous pouvez envoyer évidemment sur les réseaux sociaux de Claire, de Rémi et d'Arte tous vos cœurs et vos remerciements pour ceux qui ont gérer toute cette émission et ce webdoc. Donc, vous les retrouvez sur leurs réseaux sociaux, hein, Forte Rémi, Claire Balva, RTFR. On se retrouve très vite. Vite, produisez-moi la suite. Dépêchez-vous là. et on parlera de J'y vais. allez vous coucher. Merci Bonne beaucoup. Soirée à tout le Salut. Monde. Salut. Merci. Au revoir tout le monde. Thank you.